Personnellement, j'ai lancé 10 procs et ça marche. Hein. Ça, oh, j'ai eu peur, mec. Bon. Oh, j'ai eu tellement peur. Vraiment, je fais une chier dessus. Oh, j'ai entendu, je vais lancer et j'ai fait... Oh non, c'est bon. Soirée de merde. Tu sais, franchement, connaissant certaines personnes, genre par exemple qui sont avec nous sur ce vocal, il aurait pas fonctionné, il l'aurait désinstallé, ça aurait été compliqué pour le reste de la soirée. Hein. Excusez-nous. Non, parce que Dibrock, il est bien. Et Apex, il était pas en train de jouer, là, ce connard. Si, mais c'est de la merde. De toute façon, on y retourne. Momo, il n'y a pas que blanc et que noir, il y a gris aussi. Ouais, bah Origin, c'est de la merde, ça c'est toujours pas. Non, ça c'est certitude. Ah putain, faut que je change le... Oh, faut que je fasse tout. Attendez, ça arrive. Ça vient. Changement de dashboard, tout ça. Bon, ça va les potos, sinon? Défini. Moi, ça va. Ta gueule. Depuis que j'ai désinstallé Origin, je me sens super bien. Ouais, putain. Dodo, t'es con. Je suis vraiment content que ça joue K3 Apex, quoi. Oh, putain. Ouais, putain. Tu sais quoi, avant le stream... Avant le stream, Foxy, il m'a dit, tu vois que je prends un accent, il m'a dit « Haha, tu verras comment le jeu il a changé, il est bien maintenant !» J'ai bien vu. Ah bah putain, ouais, de ouf. Merci Foxy. Merci Foxy. Tu sais ce qui est bien aussi avec Deep Rock Galactic, c'est qu'il s'affiche pas. Bah chez moi ça marche nickel en fait. Allez voyons. Ah. On va commencer. Mais tu fais même de la peine à ton chien. Non mais elle est conne, elle est beau pour rien. En plus, c'est la moitié sourde, c'est pour ça. C'est un peu ton équivalent animalier, quoi. Moi, je suis sourd, moi. T'es chiant, c'est différent. Gratuit, ouais. Ouais. Non. Oh, le son est très fort. Là. Pourquoi je suis chiant? Ah oui, le son est fort. Dans... Ce liquide qui est cool dans mes oreilles est très très fort. Ta gueule. Contrôle. Non, du coup, ce sera du deep rock galactic qui est gratuit ce week-end sur ce team. Ouais. Et on n'est pas payé. Mais sûr que non. Même si on pourrait. Bien sûr que non. Et j'ai pas Momo en ami Steam, et ça c'est regrettable. Bah. Bon. Je t'ai pas. Ok. Je dois t'avoir en ami, mais sur l'autre compte. Ah, les aléas de la galère. Du coup, bah il coûte 30 balles. Unshodan, il est bien aussi. Attends. À partir du moment où le jeu il est pas sur Origin, il est plutôt pas mal. Ouais. Quitte Origine, nique ses grands morts. B4, pourquoi je t'ai plus. Putain, va falloir tenir 3 heures sur Deep Rock là. Funky. Tu verras, ça va passer tout seul. Mais, oui. C'est ce qu'elles disent toutes. Hein. Une fois que tu mets du lubrifiant, je t'avoue, oui, ça passe. Après, c'est plus de temps de musique que le jeu. Je connais pas le jeu, moi, ouais, perso, ouais. Donc. Tu vas voir, c'est marrant. J'ai juste fait la démo. Le début vite fait. Comme je disais tout à l'heure, le truc cool, c'est si on peut avoir une classe de chaque. Moi, je prendrai la dernière classe qui reste, hein, c'est pas un souci. Il va falloir que tu prennes autre chose que Forer. Here we go again! C'est le truc de forage là. Ouais, c'est exactement ça. C'est, ouais, en fait, c'est Left 4 Dead, mais avec Minecraft. C'est qui, Oot? C'est moi. Ah, ok. C'est d'accord. Toi, Oot, avec la grosse barbe? Blanche Non, ça c'est moi ça. Ah. Et coucou B4, salut B4. Mais dis bien vous, dis bien vous. Attends, hop, qu'est-ce qu'il y a de pas? Ah, le scout. Attends, j'ai t'enfermé dans un swamp tout seul, j'ai pas envie. J'ai mis un peu vert. Bon, est-ce que le son du jeu ça va? Dites-moi. Normalement ça devrait aller. C'est bon, tout le monde est là? Ouais. Oui. Pourquoi? 5-5, il est parfait, merci. Attends, on va aller prendre une bière et danser un peu. Ouais, justement, j'avais proposé de payer une bière. C'est bon, moi je m'adance, je vous fume, le stream est terminé. Oh là 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 là, mais vas-y. T'es une merde. Bon. Oh non, allez. Speeder, tu vas continuer, putain. Là, je... Ah. Yes. La bière, les gars. J'ai même pas le droit de dire adieu. Y'a que comme ça qu'on peut s'amuser, hein. Je suis désolé. Hein. Et vous appuyez sur V avant de boire. Ok. Pas des malpropres. Sur V ? Ouais. Ah oui. Dans les yeux, eh oh, dans les yeux. Je peux floss avec ma bière. Non, sinon je te kick. Oh mec, attends, je crois allez, que... hop. Attends. Donc du coup,
Bekas c'est le bleu, Momo c'est le jaune, Spider c'est le rouge, et moi je suis le gris. Momo il est jaune. Tu sais. Comme c'est Nemesis. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais... Nique ta mère, sale pute! Non mais ça va, vous allez revenir. Qu'est-ce que t'as branlé? Mais pourquoi la bière se nous TP dehors? Parce que c'est des bières trous noirs. Putain, c'est marrant, c'est pas marrant. Trou noir, moi. Dans les fesses. Mec, j'ai pas compris. Oh, ça commence bien le jeu, dis donc. Bon. Nique ta mère. Payé à l'heure. Putain. Je RTT maintenant, voilà, c'est bon, je fais grève. Ça marche pas. Putain, comme ça, la gomme. Saloperie, reviens là. Comment on active la torche? F. Tu restes appuyé sur F. C'est pas ouf. Mais du coup, on peut nous envoyer quelque part, parce que moi, je connais pas le jeu. Ouais, alors, t'as la Cinnamon Board ici, qui doit te donner certaines missions, en mode, toutes les semaines, t'as des missions à faire. Ah oui, conquérir Aux 4. Voilà, vu que t'es nouveau, t'as plein de missions, tu vois. Ah oui, c'est... en effet. On commence le jeu. Donc, bah, on va faire toutes tes missions, en fait. Bah, let's go. Comme ça, on sera... Comment je lance, du coup? Je suis en train, c'est moi qui poste, du coup. Ah oui, oui, oui. J'ai une force... Hop, on monte là-dessus. On monte dans la Clio. Like, on y va. Putain, pourquoi on a pas une petite panda pour aller dans les mines? Parce que la Clio 2, ça résiste à tout. C'est fou. Ma voiture va te dire le contraire, poteau. Y'a que Yadar qui a pas joué, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oui. Ok. C'est bien, en plus, c'est moi qui stream, comme ça on découvre. Yes. Voilà. Qui c'est qui cherche lui, là? Mais vas-y, Bekas, il a une plus grosse que tout le monde, là. Vas-y, dépêche-toi. Non, mais c'est Host aussi. Vas-y, dépêche, je vais pas te faire. SSD, blablabla. Allez, yes. C'est de la merde. Ah, je préférais Origin. Ah, celui-là, il est pédé. Quand tu seras à terre tout à l'heure, je t'arrive même pas, moi. Attends, quoi? T'as peut-être pas expliqué le jeu. Attends, de quoi? Alors, le jeu, c'est un peu comme Vermintide, tu vois, c'est, vous êtes 4, il y a des bestioles en face, sauf que là, on a des missions à faire qui sont écrites en haut à droite. Donc, il faut qu'on récupère de la Morkite et des fossiles, qui sont des trucs comme ça. C'est de la vie, ça? Ah non. Bon, il y a derrière toi, il y a un fossile, ça tu sauras à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça, c'est les gros trucs, ok. Ah oui, d'ailleurs, ah, mais oui, c'est... Oui. Il y a du TK, hein. Oui, il y a du TK. Bon, on est en hasard 2, donc on devrait pas prendre beaucoup de dégâts. Oh, ça part quand même. pour pouvoir montrer des objets, t'appuies sur CTRL, ça sort un petit pad comme ça. Oui, oui, oui. Tu peux aussi voir tes alliés, tu peux cliquer pour montrer des trucs. D'accord, ok, c'est pour... Okay. Et quand tu regardes des trucs un peu spécifiques, ton pad, il va changer de couleur et d'écriture. Genre, il va te dire ça, c'est tel rocher. D'accord. Après, clic droit, enfin le clic gauche, pardon, c'est pour tirer. Et ouais, clic droit, c'est pour la tu pioche. Fais un petit coup de pioche. Voilà, très simple. Et F, tu craches de la lumière aussi. Ouais, F, tu t'envoies des flares. G, t'envoies des grenades. Après, t'as 4 différents. T'as 4 différentes armes. Donc, toi, t'as. Sur ton 3, en fait, t'as ton truc de mobilité. Comme tout le monde, en fait, chacun a son truc de mobilité. Ouais, et ouais. Sur le 3, toi, t'as une zipline, en fait. Ouais, ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était cool. Pourquoi y'a un truc qui danse là en bas? Pourquoi y'a un hologramme? C'est une grenade l'air. Ah. Et je peux faire des gros morceaux des mentales. Ah, y'a un truc derrière. Et moi je suis Spider-Man. C'est la merde la pute, j'arrive pas à monter. Hop, je vomis un petit peu. Ah, mais on est passé là tout à l'heure. Tout à fait normal. Par contre, vous voyez, la map elle est assez dégueu, si je puis me permettre. Enfin, je la trouve pas top. Ouais, elle est générée un peu dégueulassement. D'accord, très bien. Pourquoi j'ai pris un tir? C'est pas normal, hein. Ah, je crois qu'il y a un ennemi qui t'a tiré dessus, Spider. Ouais. Les ennemis n'utilisent pas de flingue. attends, faut pas que je fasse de conneries. C'est qui tire, là? Il y a des araignées, aïe 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 aïe, j'ai peur, aïe aïe aïe. Ah oui, par contre, faut aimer les araignées dans le jeu. Mais dis que
Il s'est barré où le nain? Casse-toi! Putain, insupportable. Allez. Cassez-vous! Moi c'est juste Russian Imagi! Mais raisez-moi, bande de bâtards! Figure-toi que moi c'est juste Russian Imagi aussi! Moi aussi, aussi. Moi, alors je vais pas dire, mais Russian il m'a dit de tuer quelqu'un d'autre! Non, par contre, on reste mort à l'infini? Ah, non, faut qu'on vienne nous aider! Ah d'accord, donc là ils sont encore sur Apex! Ouais, nous on est sur Apex, nous! Ouais! J'ai demandé à tout le monde de buter tout le monde! Ok, Megamind! Mais Marc, ça a marché en plus. Quel connard. Ouais. Dit-il en train de tuer son pote. Ouais, mais je le tue parce qu'il me tue. Hein. Par contre, ton lance-flamme n'a pas beaucoup d'effet. Hein. Petite bite. Hein. Ouais, il fait super mal le lance-flamme. Ouais. Ah, du coup, Momo, maintenant. Oh putain, la chance. Oh, il va le faire. Il va le faire, le génie. C'était bien. Première game. This was a good game. We did great, guys. Insupportable. Résultat de la mission. Échec. Je ne suis pas surpris. On se demande à cause de qui. De Rusian Smiley. C'est R-U-S-Z-I-A-W. Sponsor Rusiao. Il y aura un peu ça avec moi dans la team. Eh ben t'avais qu'à te proposer. Ah bah non, on n'a pas eu le choix, en fait. Pourquoi? Tu n'aurais pas eu le choix, Enter, parce que t'aurais reçu le même message que nous. C'est vrai. À la limite, tu aurais pas eu ça. S'il y avait pas eu, s'il y avait eu quelqu'un qui était pas dans LMF. Et ça, c'est malin. Ouais. Bon, on peut faire une mission maintenant, s'il vous plaît. On peut rejouer normalement, s'il vous plaît. Là, sans que l'autre con, il essaye de nous battre le royal dans le dos, là. Bah, faut voir. Après, Yadar, après la mission, si tu veux jouer à la poupée, je te montre un truc. Quoi? Oula. Les trucs sexuels, c'est après 23h, par contre. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Le cœur d'attendre à 23h, là. Il a dit la poupée. C'est quoi? Non, mais je dis juste que je suis pas un monumental connard avec les poteaux. Oui, bien sûr, comme ça, t'as envie de croire. Oui, oui, à d'autres. Hein. Moi non plus, mais c'est Ruru qui a demandé. Tu sais qui c'est? Le connard avec... Staline. T'es sûr? Mec, ça a coupé. Ah. Ça a coupé. On a pas les mêmes infos alors. Oh mec, écoute, t'as juste dit connard et Staline. J'ai fait une fête de langue, j'ai été en russe. Excuse-moi. Je crois qu'il y a certains historiens qui aimeraient te parler. Tu sais que... Staline. Le KGB voudrait connaître ta position. De quoi? Attends, je baisse un peu le son parce qu'en fait c'est un peu fort. Non. Non. Je viens de me rendre compte. Non, c'est pas fort. Spider, tu peux mettre une plateforme sous mon cul, s'il te plaît. Pardon? Ça commence. Là, je suis en haut. Ah, mais je crois qu'en fait, Discord est en train de bugger. Allô. Allô. Non, excuse-moi, je suis en train de récupérer des trucs, c'est important pour la mission. Ouais, je sais bien, mais tu peux mettre une plateforme, s'il te plaît. La mission avant tout. La mission avant les soldats. Sache que je retire tout, Spider. Mais t'es où? Là. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Mais qu'est-ce qui... Merci. Mais qu'est-ce qui branle là-haut? Ah, mais il y avait un fossile. Mais en fait, c'est un fossile et c'est surtout que moi, je peux faire Spider-Man, en fait. Mais attends, Momo, il s'est déjà barré, là. Fidèle à lui-même, ce mec. Monumental casse-couille. Comment on fait pour appeler la truc? Il y a des boss. Non, tu te démerdes. Ouais, ça dépend des missions. Dans certaines missions, t'as des boss. D'accord. Au moment, tu dois affronter le Dr. Connors. C'est le fils de pute. Bon, du coup, là... Ah, dégueu. Attends, va ramasser ça, là. Par toi. Ah, j'ai craché. Ouais, bah, mais... Mais, oh là là. Ouais, tiens, regarde, Peck, bien mis. Ah ouais, impeccable. Parce que là, t'as Spider-Man 3, Spider, du coup, le prochain, c'est les touches. C'est nul, ce que t'as fait, Spider, là. Mais quoi, elle est super bien placée. Non, elle est dégueulasse. Aïeul. 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 Ferme ta gueule. Bon, c'est bon, on ira chercher plus tard. Mais du coup, ça te fait quoi de devoir t'occuper d'une garderie, Vegat, là, vite fait? T'aimes bien ou pas s'entraîner? C'est compliqué, vite fait. Je regrette d'avoir accepté, en fait. Dommage. Tu sais que j'ai regardé Hôtel Transylvanie 3. C'est super bien. Merde.
T'as avalé combien de mots dans ta phrase? Blablabla. Y'a pas que ça que j'avale. Salope. Vous avez une... Avant 23h. Ils sucent pas que des glaçons. Ils sucent aussi des énormes chibres. On va pas parler ta daronne. Mais t'appelles Spider. Je sais pas comment elle s'appelle ta daronne, je peux pas la vanner. On est chier. Par contre, elle me donne toujours de clopes. Ça fait 6 ans. Jamais. Ah mais on crache dessus là. Ça fait facile 400 gros. Mais écoute, faut retenir. Hein. Mais par contre, tu les butes un jour ou quoi là? Oh. Spider égal slut. Momo. Oui. Tu peux creuser à travers ça, s'il te plaît? Bah oui, mais je peux pas y aller. Attends, fais le tour. Mais si tu peux. Crois en toi, Momo. Tu sais qu'il pouvait pas y aller? Crois en toi qui croit en moi. Quoi? Ouais, je creuse vers où? Bah vers le petit carré là qui est dans le mur. Je suis en train de me faire attaquer par des arachnides. Ah oui. Ouais, c'est pas mon problème. Voilà. Ah. Y'en a pas un qui était censé être soldat dans cette équipe? C'est un. Pas moi en tout cas. Ah, c'est peut-être moi, je crois. Si, c'est au pire, hasard. C'est. Au pire, c'est pas comme s'il y a un mec qui peut foutre des plateformes. Ouais, non. N'est-ce pas, Teddy? Ah, je te vois, oh, je te vois te battre, c'est beau. De loin. Lui, tu es en train de m'observer comme un gros PD. De très loin. Oui. Oh, il a des yeux, tu c'est un PD. Tu peux venir creuser là, s'il te plaît. Oh, putain. Où ça? Attends, j'arrive. En fait, dès qu'il y a des petits trucs de lumière par terre là qui sortent du sol, ça veut dire qu'il y a un joyau à récupérer à l'intérieur. J'ai. Par contre, ça se prononce joyau. Hein. Joyau. Joyau. Non, on dit joyaux. Joyau. On dit joyaux. Mais non. Joyaux. Si y en a qu'un. Un joyaux. Pas de problème. Ah, et comment tu dis au pluriel? Des joyaux. Ah, il est malin. Mais oui. Ah, non. Un joyal des joyaux. Ouais, du coup, ça paraît que... Eh, tu sais, un jour, faudrait pas que j'oublie que j'ai des plateformes, en fait. Je suis en train de me galérer, mais... C'est bien qu'on puisse miner les murs. Et pas se bloquer à l'infini. Ouais, ouais. Ah, du coup, faut que je te fasse une plateforme, là. Ouais, s'il te plaît, j'allais te la demander. Non. Waouh. Je sais pas qui c'était le loser qui est tombé, mais ça me fait chier. Ah, c'est pas moi. Littéralement, c'est pas moi. Pourquoi y'a de l'uranium là? Apparemment, t'as des tourelles aussi, Spider. Mais eux, ils connaissent le jeu. Si je crois. Si t'appuies sur 4, non, t'as mais, je sais, mais je sais, mais, moi, mais j'y ai joué au jeu. Hein. Mais bon, bah, ça se voit pas. Hein. Ça se voit vraiment pas. Quoi. Je peux creuser comme ça. Mais... Va creuser, toi, là-haut. Là. Voilà, creuse à l'américaine. Mais qui c'est qui? Oh! Quoi, je creuse? Bah, moi aussi. Mais je creuse! Au moins, il essaye, quoi. Vas-y, regarde Momo terraformé là. Ah, il tombe. Tu vas faire comment pendant les vagues? Quelle vague? Quoi? Tu vas faire comment pour Tu vas faire comment pour votre The End? Oh, tu as changé l'art de ton PC. Après si vous voulez vous pouvez retourner sur Apex. C'est Dawn. Ah non on peut pas. C'est Dawn encore origine. Bon. Je suis en train de choper de l'or là. Je voulais pas monter là. Je vais me barrer sans vous. Non. Bah si. Je te colle au train. T'as dit quoi? Je te colle au train. Lui aussi il avale les mots. Il y a pas que les mots qui l'avalent. Vous êtes tous pédés en fait. Bienvenue au club. Momo, tu veux qu'on parle du lore ou pas? Bah j'ai aucun problème avec mon lore. Disons que bon. La jaquette tu la portes bien encore quoi. Non. Ah si si. Ah non non. Ah si si, c'est le lore, Momo. Bah ouais, mais dans le lore, je suis pas payé. Ah si. Ah non. Ah si, avec Christiane. Pas nous. De ouf. Ouais, mais si c'est avec Christiane, c'est pas payé du coup. Bah si. C'est une femme peut-être, Christiane. Bah oui. Bah non, c'est une embrassade entre potes, ça va. Ah, mais si c'est une femme, c'est... Ah mais si, du coup, c'est une femme, c'est pédé. Parce que les femmes s'embrassent les mecs.
Une embrassade sur la bite, moi j'appelle pas ça. Et puis c'est PD, il y a un gros truc. L'important c'est que de pas se regarder dans les yeux et dire nos mots. Ça par contre, ils l'ont fait plusieurs fois et j'ai pas entendu le mot magique. Hein. Ah, entre potes, c'est pas PD. Hein, bah, ça veut dire que t'étais là à chaque fois, donc toi aussi t'es PD. Ah, moi je regardais, c'est tout, je filmais pour les copains. Mais justement, bah, c'est encore pire. Bah, ça fait toi. Non, mais c'est pour ça te fait toi un PD doublé d'un cuck. C'est pour faire des souvenirs. C'est un cuck PD. Tu veux que le monde se souvienne de toi comme ça, Spider? Oh, le monde, hein, si tu veux. Tu peux mettre une plateforme. Tiens, va ramasser ça, la gogole. Gogole. Spider, c'est un PD cuck, et voilà, c'est fini. Il est où le petit robot? Je sais pas. Faut appuyer sur C pour l'amener. C'est bon, j'en ai un. Ouais. Hein. Ah! Eh, y'avait pas un mec qui avait vu une Gatling à un moment? Si, mais il a fait une mission. Bah là, c'est vague. Si. Il est là, il est rose. Il serait bien que tu tires pas sur les potes par contre. Oui, bah t'as qu'à pas te mettre devant moi une Gatling. Tiens, toi, tu vas les creuser là. Brûle. Babylone. T'es sérieux, toi, par contre? Ouais. Tu sais que ça vaut des années d'exécution, ça, hein? Non. Ah si, c'est si. C'est que ça marche. Je l'ai lu dans le Figaro, ça doit être vrai. Ah, autant pour moi, alors. Bah, j'espère bien. Ah! Je creuse, mais c'est complexe, hein. Ok. Ouais, nous aide pas, surtout, hein. Ce serait dommage. Manquerait plus que ça. T'as prévu l'hier. C'est terrifiant, par contre, hein. Oh pardon, je vais manger une petite dans la gueule. Excuse-moi, j'ai éclaté la moitié de ta vie, j'espère que tu m'en veux pas. Est-ce que je peux choper... Yes, je vais choper le fossile. Fossile, marteau. Non, c'est pas ça quand il y a mon... Non. Alors, appuyez pas sur le bouton tout de suite, puisqu'on a pas fini. Merci Momo, super. J'ai rien fait. J'étais même pas là de toute façon. Évidemment, c'est Momo. Là, Momo. Ils viennent par les murs. Eh hey, oh, les quatre. Non, c'est moi, je veux qu'il y a ça. Bah. Bonne chance. Aïe. Ça brûle. Et j'en ai un sur moi, donc ça va le faire. Ouais, mais il faudra les mettre dans le vaisseau du coup. Bah oui, bah on le fera, mais en attendant, bon. Vu que Momo il fait des bêtises. Oui. C'est pas moi, putain! Bah oui. Attends, mais y'a un truc au plafond. Mais non, mais je veux pas monter! Et la GN, c'était pas toi peut-être? Ok, c'est bon. La quoi? La GN. J'aimerais bien descendre. La GN. GEHE2NE, ce qui je dis pas de conneries. Oui, bah je vois ça, j'aimerais bien me m'en aller. Le mot GN est quand même super simple. C'est où qu'on fuit? C'est compliqué, arrête, y'a des H, mec. Pourquoi il parle de GN? Non, pas EGN. Ils sont GN. C'est ce qu'on se gayenne, mais non, y'a pas de U. Comment tu dis des conneries? Tu dis bien burger. tu dis bien iceberg. Bah non, y'a pas de... iceberg. Bah y'a pas de U, tu devrais. Mais si, y'a un E dans iceberg. Fous ma gueule. Non, de U. Y'en a pas non plus dans iceberg. Bah c'est ce que je viens de dire. Ah, du pour coup, le on coup dit... la gêne, c'est l'inverse. Du coup, on dit iceberg. C'est la destruction et la fin des temps, en fait. C'est pour la bien. Toi qui voulais savoir. Dis voilà. Bah voilà. Jure, je t'ai pas écouté. Mais je suis pas responsable de la fin du monde. Il a même pas fait que des schismes. Je vais avoir une migraine. Mais non. Si tu veux, je baisse le son de tout le monde, hein. Genre tout le monde à 1. Bah non, il y aura le tien. Hein. Ouais, c'est quoi le problème? C'est un peu le problème majeur, quoi. Ouais, je sais. Pourquoi ils imitent la tortue qui baise, l'autre? Pourquoi ils animent le stream, ces deux cons? C'est leur métier. Enfin, le métier. Quel est votre métier? Ah, c'est pas celui. Spider-Man 3. Putain. C'est pas un métier, en plus. Tu sais qu'au collège, j'avais pas d'amis. Sans oh, d'amis. Non, c'est dur, ça. C'est vraiment un scoop, ça. Ça, bon, ça se mine pas, ça, Spider. Mais je suis sûr que si. Non. Vas-y, fonce, gars. Mais ça fait des dégâts, cette merde. Non. Ou je crache du blanc. Du fou. Ah, c'est comme le Stex. Le Stex. Le fameux. Un Stex de chatte. Oh, c'est... Pourquoi je vais tomber dans son trou, là? Et lui, il est... Le trou du Stex, moi. Putain,
ta gueule. Ah, il y a du monde derrière moi. Hey, tu te souviens le moment où j'ai dit que j'avais des tourelles? Ouais. Vaguement. Je peux pas les mettre pour l'instant. Ah, c'est rigolo ça. Enfin... Qui c'est qui crache là? Pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser. Moi je vois des ennemis, je tire. Hein. Mais ça se barre dans 2 minutes. On est large, putain. Il nous reste 29 mètres à faire. C'est bon. Hop, tech. Ah, mais Stephen Hawking, par exemple, il aurait eu du mal, lui. Bah... ouais. C'est vrai que pour des mines, c'est pas vraiment... Bah c'est pas adapté, quoi. Handicapé friendly, ouais. Ouais. C'est pas le bon endroit pour monter un handigang, quoi. Tu te souviens des balles de tout à l'heure, là? J'aurais bien aimé les avoir un temps. Bah non, allez, on attend plus que la dernière, là. Bah voilà. Et une émission rendement menée. Mais alors, du coup, on dit gène ou gaine? Mais non, c'est quoi? Mais c'est quoi la définition du mot? Mais c'est l'inverse truc... de la genèse, c'est la fin des temps. Ah! Il y avait pas un truc genre c'était les Sud-Africains là? Quoi? Tu quoi? L'apartheid! Oh là là, oh là là, mec, c'est. Oh là là! Bonsoir, Apophis, ça va? C'était un peu leur fin des temps. Oh mec, c'est tellement illégal! Oh là là! Ah, le turbo golong! Oh mec! Oh, il a deep dive direct au fond! Le pâté golong! Attends, c'est assez impressionnant que j'ai bien cherché Guyane et Apartheid, mais qu'ils sortent le mot Guyane de base, c'est déjà. Venant de oui, il est joli le petit logo en bas. Bah écoute, je l'aime bien beaucoup. Ouais. Hein. Comme quoi, c'est quelqu'un de culturé finalement. Juste en culture, moi. Oui, gauche, tu es con. Avec les fesses. Tiens, du coup, Yadar. Mm-hmm. Lui-même. Tiens, regarde ici, tu vas pouvoir t'acheter des chapeaux, des barbes et tout. Oh yes! Alors. Tu sais, que tu le c'est quoi le verlan? Tu sais que le verlan de Yadar, c'est Daria. Oui. Et que dois-je faire de cette information, Spider? Tu te démerdes. Tu peux te la mettre au cul, apparemment. Je pense que... Le verlan de Yadar, c'est bizarre. C'est kayak, mais ça n'a rien à voir. Merci, Whisky, pour le sub. Spider, encore sorti, c'est Gegen en pleine récré. Ah non! Ah non, par contre! Ah non! Ah, ça, bah, c'est dégueu! Il a sorti, c'est Gegen! Ah. Oh putain, oh putain. Quoi? Non, mais. Quoi? Quoi? Mouille, il me la bagarre! Non, toi qui me regarde. Oh, j'aime bien les hommes. Quoi? Et t'as créé un conflit. Tu viens vraiment d'admettre que t'étais pédé là-bas. Ouais, il littéralement de dire qu'il aimait bien les sexes humains d'hommes masculins, aussi appelés gros chibres. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance de merde dans ce stream. Je tenais à faire part. Salut, MT, ça ou quoi? J'ai des chapeaux. Terminaille. Ok. Y en a aucun qui a la coupe de Russienne. Ok, tout ouais, est verrouillé. Une bière, les gars. Allez, la piqûre. On va laisser ça en suspens. Mascara à brou. Pourquoi j'ai pas eu de bière, ça m'a la pute. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Santé. Santé. Coucou, les calous. Attends. Et où, Spider? On va pas trinquer sur musique. Je pourrais dire dans ton cul, mais vu ce que j'ai dit récemment, ça va être compliqué. Ouais, s'il te plaît, maintenant je risque de le prendre bizarrement. Tu resteras très loin de moi la prochaine fois qu'on se voit, d'accord? Oui! C'est toi qui fais des grosses embrassades virées là. Non? Bah, c'est toi qui mets les mains au cul après! C'est Adwim ça. Aussi. Bon, Adwim il veut qu'il y ait, un truc grand dans son yonf, c'est différent. Mais c'est pour ça qu'il te demande en permanence de faire des 100 mètres, en fait vous êtes pédés ensemble, non? Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ça fait des broutes! Ah, le caca, j'ai pété! Ah, ça pue! C'est vrai que c'était le père de Pinocchio, ça? J'ai pété! Putain! Ça va, y'en a un qui a eu une enfance! Oui, bah j'ai péto, c'est bon! L'autre, il a vu Tortue Ninja, il a fait « Oh! » C'est quoi le rapport avec Splinter?
C'est toi qui dis ça en plus, mais mec. T'as vraiment aucune raison. C'est pas toi qui as confondu Spinter. C'est que le père de Pinocchio, c'était la GN. Putain. Mais tu sais qu'après le stream, je vais aller me coucher, moi, instantanément. Hey, mais gros, je vais sauter par la fenêtre. Moi. J'ai pris deux heures de fatigue, là, d'un coup. Insupportable, mec. C'est qu'on va voir, on se fait bison. Mais... Insupportable, mais il a pas encore touché, là. Il a pas encore touché. Ouais. Ça sera le niveau supérieur, ça. Et en plus, on a découvert il y a récemment que des fois, Spider, il touche sans faire exprès. Voilà. Et non, Whisky. Tu donnes ton sub, c'est un petit peu comme signer un pacte avec le diable. Tu récupères pas. Vous êtes tous suicidés? Oui. Nice. Oh la chance. Ça fait combien 2x4? Je sais pas, attends. 8. Mais y'a pas Poléon? Non, mais ça marche pas. Bah oui! Bah bien sûr que ça marche pas, espèce d'attardé! Il faut quoi là du coup? Oh, les jeux de la map! Il faut récupérer des œufs. Des champignons bolo? Et des œufs, ok. Une bolo des œufs champignons! Ah, mais y'en a là-bas des œufs. Ah non. Pourquoi je vois flou? Mais c'est la bière! Parce que c'était la bière! Ah si, c'est des champignons. C'est de la merde, hein! Il y a une grande salle. Ouais, attends parce qu'il y a aussi. Je vois dans ton gros dépôt, c'est dégueulasse. Il y a aussi des tunnels de l'autre côté. Oui. Il y a mon chat qui est en train de crier à la mort. Oui, bah, ah, oui, on l'entend. Crie plus fort que lui. Comment il s'appelle ton chat déjà? Spider-Man. Il dit ça, mais c'est pas loin de la vérité. Hein. Pas du tout, mais. C'est un mensonge. Comment tu mens mal? Oui. Mais casse-toi! Je suis en train de souffrir. Et toi dans oui, ça? Oui. Bah les bobos. Oh, il y a une grande salle aussi là en bas. De quoi? Oh, le minage de Yadar. Il est très bien mon minage. Il est. Je sais pas miner. Mais de quoi je sais pas miner? T'es un mauvais mineur. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs savent pas miner. Oh putain. Oh allez, je me casse. Allez, je vais explorer tout seul. Après, je lancerai pas cette vanne plus loin. Elle atteint son plein potentiel. Après... La prochaine étape, c'est Bernard Minet, quoi. Ah non, mais c'est vrai qu'on s'est pas lancé. Eh merde. Mec. Ça fait super mal. De franchement, t'as vu Shakira, comment on s'est lancé, mec? Ouais, mais elle est pas blanche. Oh bah elle est c'était moins que certains mais... C'était quoi ce... Oh, de mec oh, absolument bon, raciste et bouffe. On va dire que le Super Bowl c'était une belle présentation quoi. Je sais pas. tu parles de son cul là. Maman il a bugué. J'ai parlé de son sport, il a fait. Oh non, j'ai pensé à un autre truc. C'est quoi? Son gros cul. Son super boule. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut en placer au stream s'il vous plaît? Je donne ma place. Elle était bien. Non, non mais bon. Pour une fois, tu vois, pour une fois, il a raison. Je suis pas obligé. Du coup, pour toi, t'en veux. Moi, ton super boule. C'est possible en fait, parce que je suis tout seul. Ouais. D'accord. M'en fous. Bah écoute. Mais. C'est moi, il l'amène. Mais putain, j'ai un truc à mettre dedans, arrête ça. Voilà, merci. Maintenant, je peux la récupérer. Oh, c'est super profond ça. C'est ce qu'elles me disent toutes. ça fait une deuxième confirmation. On fait des jeux de rôle bizarres. Non, non, tu fais. Et pas vraiment des jeux de rôle là. J'ai dit on, je le fais pas tout seul. Ah si, si. Tu peux te tremper la nouille tout seul, mais par contre. Hein, je ne fais rien à ta présence. Gun. Non, il est spécial. Il est particulier comme garçon. Mais quoi, mais c'est bien de miner au minigun.
Faut que je mette une plateforme. Ouais. Attends, je mets juste ça dans la dans mon lit et on est bon. Double double W. Venez babo. Oh putain, elle est nulle à chier ta plateforme encore. Oh. Pardon, j'ai les fiers toi-même. Eh mais t'es nana en fait. Bah, c'est pas ma faute si t'es pas capable de faire des bonnes plateformes. Si tu veux ça, c'est bien, c'est... Ah ça c'est bien, comment dire, une parole de patriarcale. Hein. Oui, j'optimise mon village, moi. Oh, j'ai que ça à foutre. Ah, oh, comment t'es mauvais, t'arrives pas à sauter. Putain de ta mère. C'est super facile, t'es trop mauvais. Oh, c'est joli. C'est quoi, c'est un peu mais... Il est ici Spider PD et exact. Bizarrement il répond pas là. C'est bon, la vie d'un parisien si tu veux, ça me choque qu'à moitié hein. Ah c'est Adwim quoi. Ouais. Putain, en plus il est même pas vraiment parisien. Pas encore. Mais il le sera jamais. Bah si, dans quelques mois. Oui non, non mais tout de suite moi, je suis pas nancé. Sous prétexte qu'il va habiter à Paris, il va être parisien, c'est un peu facile. Ah ça c'est les raisonnements de Spider ça. Après il est pédé donc C'est vrai. Super l'homophobie. Non mais je t'accepte comme tel que tu es hein, y'a pas de problème. L'important c'est que tu sois heureux tu sais. Bah heureusement. Ah t'as pas trop de répartie là. Ça te la coupe hein. Pas vraiment. T'as récupéré par contre l'œuf ou quoi là. Mais non, j'y vais parce que ta plateforme c'est de la putain de merde. Eh ben là, bah bon, les bobos. Tiens, regarde, elle est bien là. Cohésion d'équipe, zéro. Regarde. Ta gueule. C'est impeccable. Dans tous les cas, je la pose au dire. Et oui. On a revenu au début là. Regarde, là, tu peux y aller là, c'est bon. Ah oui. On a fait un petit tour. Putain. Mais personne n'est allé au nord en fait. Y'a le nord. Le nord. Oui, ça s'appelle un point cardinal. Putain la vache, tu l'as sorti 35 en milieu du genou. Oh la vache, je suis fier de toi. Putain. Il nous sort gain, il voit tout sur cardinal quoi. Mec. Non mais c'est Yadar hein. Non mais si ça venait de toi, j'aurais vu flou, ça vient de Yadar, c'est bon. Mais point cardi, il a réussi à le dire. Ouais mais je suis pas handicapé de la bouche non plus. Sur ce coup là tu vois bon. Bon je vois qu'on ne me croit pas. Ouais tu vois genre là on a rien compris. Ah classique. Ah contact. Ah ah bah contact hein. Moi j'y crois pas. C'est comme le coronavirus hein, c'est qu'une grosse grippe. T'es Picard, ouais. T'es Picard ça revient au même. Clin d'œil à B4. Ouais de ouf, qu'est-ce qu'il y a contre les Picards. Être Picard et parisien, putain, le seum. Ah, mais fallait mettre dedans. Ah, je l'appelle pour rien, nice. C'est pas pire 4 PD et cuck, hein. C'est vrai que toi, tu cumules, mon vache, hein. Au moins, on a du bon muscadet. Mais attends, ce serait sympa d'avoir un mec avec un minigun qui puisse tirer sur des objets. Mais attends, ouais, il y a mais le mec avec le minigun, il creuse avec, alors bon. Et je vois pas le problème. Mais attends, il y a une autre batterie cachée quelque part. Ah ouais, t'as raison, oui. On est en plein assaut, l'autre, il cherche des trucs. Puis un petit champignon aussi. Après, la track, elle est bien. Ouais, la musique du jeu est sympa. Ça vaut pas celle de Plague Tale, mais bon. J'ai rien sur Olivier de Rivière. T'es pas obligé de sucer, hein, c'est tranquille. Ah, si, mec. Bah, c'est plus souvent sa seconde nature, on l'a appris ce soir. Hein. Pardon, t'es passé devant. Mon orientation sexuelle ne me définit pas, hein, je tiens à le dire. Oh la vache! Y'avait pas du soin, si, ouais, y'a du soin. C'est comme j'ai tucé là encore, et oui, il accumule, hein! Il accumule! J'espère que un des éditeurs s'occupera de la. De faire un petit montage et de recouper tous les moments où Spider a dit qu'il est pédé. Ah bah déjà faire qu'il passe par le montage de Titanfall, enfin non de Apex, ça va être marrant. Oui ça c'est pas... on verra si c'est nécessaire ou pas mais... Merci. Pas de problème. Ouais, c'était pas nécessaire mais je peux le lire.
Comme quoi les premières incriminantes, ça tombe super vite. Ouais, bah, non, ou, hein. Ou alors prendre les points d'Apex ou Spider et Rage contre Origin. Ça, vraiment, c'est le meilleur moment, je pense. Ah, ça veut dire que c'était bien que parce que j'étais là. J'irai pas jusque là non plus. Qui aille pas, moi, si vous, monsieur, ça me dérange pas. Hein. C'est quoi ces trucs-là? Il y a des tentacules! Ah, bah écoute, moi, c'est le moment où je me casse. Ah non. Il y a des. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus de vie, c'est plus les machins de Half-Life, là. Ah, les crabes. Non. J'adore, c'est une foule. Je te déteste. Tu es plus profond, madame. Non, bah, attends, j'ai tout. Bah. Ils ont continué tout seul vers le vers en bas là. Ah. Là il y a un œuf à récupérer avant. Vas-y, il est où? Juste là. Ouais, tu mets une zipline en mode tu pars de là. Attends. Et tu me la mets en comme ça là. La c'est zipline. Bien plus calme qu'on peut pas insulter merde. Les gens. Ah, merde. Je peux pas le truc ça, c'est trop pentu. Ah merde. Tu peux te la mettre que ici au max, tu vois, genre là. Je savais qu'il allait rigoler. De quoi? T'as dit je peux te la mettre et lui il a pouffé direct. Je peux te mettre ma zipline dans le mur. Y'en a un, il va mettre sa zipline dans mes 4. Ouais, bon, moi j'ai. Putain. Il se peut dire qu'en train d'écrire sa note de fille quand même dans. Oui, oui, c'est ça le truc en fait. Il s'en rend pas compte. Bah, écoute, pour l'instant, la fanfic, on a un bon départ. Enfin... Ok. Yes, merci de ton avis. J'ai pas eu peur. Vous venez nous aider ou quoi, là? Ouais, j'arrive. Fais gaffe, par contre, il y a des tentacules qui chopent dès que t'entres dans l'arène, hein. Ouais. Ouais, vous êtes tout exactement. Okay. Au sol. Au sol. Il y a peut-être plein d'araignées, c'est pas... c'est... voilà. Fais gaffe, regarde au plafond, il y a des trucs. Ouais, ok. Ça fait du jus. Je crois qu'il y en avait deux. Je crois qu'il y en avait deux, bon en tout cas on s'est fait choper tous les deux, donc Ouais. Vas-y, je vais le réanimer l'autre con. Alors. Ok. Ça, faut le péter, ça, le truc? Non. C'est un événement qui se démarre avec ce truc-là. T'es pas en train de faire une connerie, là? Non, non. Ouais, par contre, on va avoir besoin de Sentry Gun. Ouais, bah, j'ai pas fait ça pour rien, de toute façon. Ouais. C'est quoi si je fais maintenir E sur le truc, là? Ça commence à l'activer. Il y en a 4 à mettre, donc d'accord. Vas-y, tu peux commencer. Et en fait, j'ai appris un truc. Spawn... ouais. Tu fais bien. Après, ça va faire spawn un truc qui nous donne des bombes et il va falloir jeter des bombes sur le minerai. D'accord. Sauf que pendant ce temps-là, il y aura aussi une horde de mobs. Du coup, ce serait pas mal que quelqu'un gère les mobs et que deux autres personnes gèrent les bombes. Genre un mec avec une Gatling, quoi. Un mec avec une Gatling et un mec avec un lance-flamme serait pas mal qui gère les mobs, par exemple. Bah ouais, je suis pas sûr d'être en équipe. Je crois pas. Du coup, attends, par contre, les bombes, elles drop où? Là, elles sont là-haut. Ok. Putain. Voilà. Plateforme. Gisement de trinité. D'accord. Ah, elles sont... comment ça, là-haut? Ah, faut remonter tout le... là tout où le je suis, ouais. Attends, ouais, y a un truc à spawn je te mets une zipline pour là-haut. Ouais, please. On va se faire agresser un peu la chatte. Sachant que quand tu restes appuyé sur le clic, tu lances plus loin. Ah, mais attends. Là, faut juste... ah, c'est peut-être faut pas juste... le bon là-haut en fait. Faut juste le lancer ou faut tirer dessus, ouais, après faut que tu lances sur la mine, pile. Genre sur le truc pointu. Où ça? Attends. Tu peux le pointer ou pas? Mais non, pas, non, mais pas toi, Yadar. Ah, il lance la bombe sur le truc pointu. Bon, ce serait pas mal que quelqu'un monte pour gérer les mobs qui sont en haut aussi, s'il vous plaît. J'arrive. Yes. Putain, c'est la merde, mec, pour monter. Sous le monstre. C'est un petit peu le problème de ta plateforme, ça. Non, 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 je peux. C'est sur le chemin, vous pouvez. C'est bon, ils ont été réglés. Il va falloir que je recharge mes tourelles, par contre, moi, il commence à être très court. Ouais, ouais, tranquille.
Il y a des munitions à un moment. Oui, oui, j'en ai droppé. Ouais, ça, ah oui, là, j'ai dû les récupérer. Il faut récupérer de la nitrate pour pouvoir appeler des munitions, d'ailleurs. C'est un... Le truc rouge. Ouais. On va être bon, normalement, ou quoi? Il en manque deux, là. Celle que j'ai, plus une autre. Momo, il y en a une, non? Non. Ok, bah j'arrive. Momo, vous en êtes en... J'arrive. Bon, du coup, ça vous plaît ou quoi, le chat, le jeu? Je sais pas s'il y en il a est qui... gratuit, donc si vous l'essayez. Oui, il est gratuit ce week-end. C'est le moment. Il est gratuit ce week-end et si tu l'achètes, il est à moins 50%. Donc... Oh, mais j'ai pas de thunes. Non, mais c'est... Pour prévenir, c'est pas mal. Je sais pas s'il y en a qui avait déjà joué avant ou pas sur le chat. Parce que moi, je découvre. Je viens de on a fini l'event. Et du coup, quand l'event est fini, ici, il y a un truc qui spawn où il faut avoir un objet particulier pour pouvoir récupérer la récompense. On pourra ah oui, du coup, là, mais... c'était juste pour rentrer, quoi. Ouais, et ça donne un peu d'XP aussi, donc comme ça, d'accord. C'est pas... Let's go par là, tu mets une zipline là. Oui. Yes. Hop. En tout cas... Ça me donne envie de mater Starship Trooper parce qu'il y a des bébêtes. Ça se tient, ça se tient. C'est vrai. Ça se tient. Après, de toute façon, il est gratuit ce week-end, donc si vous voulez essayer, hein, foncez. Je sais que moi, je... bah, du coup, c'était Funé qui me l'avait offert il y a un moment. Oh, la chance. C'est ça de se faire des connexions dans le showbiz. Non, bon, on m'a offert Lego Jurassic Park. C'est pas mal non plus. Ah, j'avoue que c'est un autre genre. Non, c'est cool, c'est cool. Mais bon, bah, je peux pas jouer avec les copains, quoi. Si, avec le Steam Together, là. Ah oui, c'est vrai. Où ça, Jurassic Park? En Lego. Ah oui, mais en Lego. Hop, j'ai un œuf, oui. Par contre, ça va chier. On peut faire... Non, jure, on peut le faire en coop, Adwim. Mais oui. Oh, let's go. Maintenant, avec le truc Steam, là, qui permet de jouer à plusieurs, tu peux. Hein. Viens, tu viens chez moi et on fait comme Russian et Poons, mais genre... Yadar, Adwim. Ça va être bien. J'aime bien, tu vois des flammes qui sortent. Non, mais voilà ce qu'il y a, on peut faire ça en... Non, oui, on peut voilà, faire, ouais, si on faire en ligne. Ligne, carrément, on se fait ça un dimanche. Je suis chaud. Et oui, comment je prononce ça? Oui, Bilal. Ok, Bilal. Bilal. Oui, je m'amuse bien. Il s'appelle Bif le bonjour. Ah, toi, c'est un F. Bilal. Mais je crois que c'est un L, c'est le 1. Oui, bah le 1. C'est F. Un 1. Oui, bien bah... le bonjour, bande de débiles. Ah, moi j'ai lu Bifle. Mais vous avez appris à lire un jour? Non. Mais putain. Eh, c'est chaud, hein. En Picardie, ah, yes. Il faut, eh ben... il faut qu'on trouve une deuxième batterie comme ça. Ouais, mais j'en ai déjà vu. Non, mais là c'est compréhensible. Hein. Enfin, c'est, oui, quoi, c'est bon, ouais, des oui. Fois c'est pas toujours compréhensible les pseudos, j'y peux rien moi. Oui. Ah, mais attends, ah, mais bah il y en a. Il y a de la mauvaise volonté aussi. T'as besoin de faire une plateforme là? Mais oui, je m'amuse sinon. Yes. On a double plateforme. Genre, j'aurais de l'argent, tu vois, je me serais acheté le jeu. Ah, ça devrait être bon là. Yes. Tu peux plutôt t'acheter un showdown? Nique ta mère. Quoi? Non. D'accord. Écoute, partons sur ça. Le nick ta mère préventif. Attends, je l'ai appelé. Mec, le jeu il est à moins 50% ici et tu me demandes d'acheter un jeu à 30 balles. Merde, il est fou. Après, il est bien, un showdown. Oui, mais peut-être. Ouais, je le réinstalle. Pourquoi t'as pas d'argent? Parce que je suis étudiant. C'est pas marrant, mais. Oui, c'est facile aussi. Hein. Bah, c'est la réalité surtout. On parle de Hunt. Oui, enfin, je disais qu'il était bien, quoi. Ah. Du coup, on a tout là. On appelle le truc, non, ou quoi? Non, non, appelle pas, parce qu'en fait, ce truc là, il faut qu'on trouve, tu vois, l'espèce de bâtonnet qui dépasse là, il faut qu'on en trouve un deuxième pour pouvoir l'ouvrir. C'est un coffre qui donne des récompenses. On va le voir où ce truc? Ça fait un petit bruit quand il y en a un dans le coin. Mais c'est... Ah! J'entends, ouais, je l'ai! Là, il est oh, là. Oh, comment ouais. Je suis trop un mineur! Putain, bien joué! Ouais, je suis un gamer. Mon père m'aura pas mis à la porte pour rien. Mais après, bien le bonsoir, bien le bonjour. Oui, bah, c'est marrant ça. Mais tu es toujours sur Bilal là. Du mec qui était sur le chat, espèce de fils de pute. On a pas de chat qui est là. Attends! Oh, attends quoi? C'est pas là qu'il faut le mettre. Oui, attends, non, du... Quoi, on a pas de chat? Je parle tout seul depuis le début là? On a jamais eu de Twitch, il y a là. Tout ça n'est qu'un rêve. Mais attends, mais je fais quoi moi depuis le début? Ans, réveille-toi s'il te plaît. Je fais quoi putain? T'es en train de streamer sur Mixer.
Là, il va donner plein de trucs. Oh, yes. Oh, c'est beau. C'est toute beauté. Don't believe the lies. C'est quoi un skin obtenu? Je suis sûr de trophée. Ouais, j'ai obtenu un skin. Yes. Je vais le dire à Ninja. C'est bon, on peut appeler la capsule. En plus, on est plus ou moins comme ouais. Ninja. Ouais, maintenant on peut appeler la capsule. On a tout fini. C'est vrai qu'on stream pas avec des femmes, à part ouais. Lucienne. C'est un rêve, t'es grave en retard pour les cours. Oh putain, non. Oh, pas encore une année. Du coup, on l'a appelé, c'est bon, oui. Bon, ça va, il est pas loin. 50 mètres, un peu loin. 75 mètres, c'est un peu plus loin que je pensais. Tout le monde sera donc de la CIA. Mais c'est oh, putain. Avance. Tu sais que Staline faisait partie de la CIA. C'est oh, c'est loin, sa mère. Ah, oh, c'est haut, mais c'est loin. Attends, mais j'ai des ziplines. Et attends, il est où? Là. T'es en bas? Eh ben, regarde. Ouais. Hop là. Je vais crever. Ça, c'est trop bien. Je vais crever. Non, c'est bon, tranquille. Hop là. Avec. Ouais, moi, je suis mort. Ah, bah, c'est pas tranquille. Mais je suis mort en face, donc ça va. C'est pas tranquille pour tout le monde, apparemment. Il me fait envie d'ouvrir le jeu sa mère. Bah ouais, mais carrément, il est vraiment cool, hein. Ouais, mais du coup, ouais, il a combien jeu, avec la réduction de 50%? 14 balles. Ouais. Il a 29 balles de base et à 50%. Est-ce qu'on a 30 euros sur, le le PayPal de la Megaforge? Allez, bourrez les dons, achetez le Ayadar, les gars. Wow. Allez, on... Ah, je suis mort. Il a juste tué voilà. Les... Non. Okay. Mais du coup, si vous voulez faire des gentils dons pour que je m'achète le jeu et qu'il y ait d'autres streams de Deep Rock Galactic un autre week-end, enfin ou un autre jour. Tu fais Dieb, envoie le nom du jeu, je te l'achète. Deep Rock Galactic, celui que c'est Spider-Man 3. Mais lui prend pas, il y jouera pas. Mais bien sûr que si, en stream, en plus, ça va être bien. Les gars, faut venir là. Bah, je suis là. Dépêchez-vous là. Ah mais oui, mais j'ai reste de second, je crois que c'est fini. Bah non, il faut aller jusqu'à l'extract. Il y a des trucs là. Non? Non, c'est bon, ici c'est. On l'a déjà fait. Ah ah, il est arrivé en dernier! Faudrait le tuer en fait. Il est où? Part of the ship, part of the crew! Ne mine pas la roche, mais je mine ce que je veux! Mais voilà, une mission rondement menée! C'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau? Ouais, on a pas fait top 1 Apex hein. Ouais, mais en même temps on a pas vraiment eu le temps. Après voilà, on a fait un top 4. C'était bien. Momo en fait il ressemble à... au nain dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais plus son nom. Ghibli. Gimli, oui. Gimli Cricket. Oh putain. Attends, il était dans quoi lui? C'était Pinocchio ouais. C'est pas genre la troisième ref à Pinocchio que tu cales ce soir? Ouais. Ah, c'est dur à dire Pinocchio, hein. Bah non, regarde Pinocchio. Pinocchio. Ah, Pinocchio, lul. C'est aussi un nom de main différent. Ou je vois ce que tu parles. Bon, petite bière. Vous avez des bonnes compétences? Ah oui, attends, je répète quand tu dis Ghibli. T'as pas expliqué les points de compétences Ah, il y a des points de compétences. Ouais, il y a des perks à l'intérieur des petites chambres où tout le monde arrive là. Il y a un petit écran sur lequel on peut récupérer des perks. Alors, mais déjà, Yadar il est pas dans son truc. Donc... Ouais, Yadar il joue à la poupée là. Mais pardon, si c'est trop bien. Avec Momo. C'est bien, ouais. T'es jaloux? Un peu. Putain, oh, comment tu. Comment tu parles? Du coup, oui, BK. Comment tu parles, grand Farid? Dans la chambre, du coup, où t'arrives, il y a un écran, le grand écran qui est à ta droite quand tu rentres. Il n'y a pas de liaison. Voilà. Dessus, tu peux récupérer des perks qui te permettent d'améliorer ton personnage. Ah oui! Et? Avec les objectifs complétés? Ouais. D'accord. Moi, j'en ai qu'un, mais. Ouais, c'est mauvais. Ok. Putain! Augmente le pouvoir de l'amitié! Pff, pas ici. Il n'y a pas d'amitié, c'est que de la haine. Plus de puissance de, plus de puissance de course. Putain! Plus de course comme ça, Arsène, je pourrais. Arsène, il a la ref!
Oh la vache! Eh, ça date de ouf. Dis-le si tu veux streamer tout seul, Solidar. Hein. Ben non, mais écoute, il a la ref. C'est un grand garçon. Ah, JPP, il a la ref. Bah oui! Et du coup, il y a Dar sur l'écran qui est là aussi. Tu peux améliorer ton équipement. Il ou Beckett? Ici. Je saute. juste à côté de la TP. C'est une référence à Mozinor. L'écran qui est jusque là. Oh, ça fait un boy. Bah oui. Et sur cet écran aussi, tu peux activer tes perks dans le petit truc là où tu vois un truc violet et vert tout début quand tu vois ton personnage. Ah oui, d'accord. C'est quoi la forge là? Ah, je dois promouvoir un personnage. Attends, j'avais débloqué un skin spécial avec ce qu'on a fait là. Oh, bah, c'est dans la forge qu'il faut le forger et la forge qui est juste là. Ah oui, mais la forge, on peut pas y accéder maintenant. Faut être prestige 3, master rank, shooter, je sais pas quoi. Faut juste avoir du prestige, c'est tout. Juste. Ouais, on a le barré. Ah non, attends, c'est un skin d'arme que t'as eu ou c'est un skin de nain? Je sais pas, c'est quand on a ouvert le trésor, il m'a dit skin. Parce que les skins d'armes, tu les as directement ici sinon. Directement dans ton équipement. Ah merde, putain, et c'est où l'équipement? C'est derrière l'équipement. Modification du drone, ça c'est pour le solo. On va tout claquer. Ça claque la moula. J'ai plus une thune. Voilà le caramel, les jeunes. Yo. Tu peux activer qu'un seul upgrade par ligne. Oui. Ouais, du coup, faut que tu choisisses. C'est pas la peine de tous les acheter en fait, sinon tu perds de la thune. Oui, non, mais par équipement, tu parles. Une seule, tu peux. Ah oui, genre. Ah oui, d'accord, ok, par ouais, ligne, ouais. Par équipement. Ouais, oh là 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 là. Comme ça, merde. Oh, c'est super fort. Va falloir que je fasse un truc, franchement, pour mon cœur. Oh, sa mère la pute. J'ai baissé le son sur OBS en plus. Mec, j'ai baissé. Pas baissé, moi. Moi, je l'ai baissé. Il est à 30%, je crois. Hein. Il est. Non, 42%. Mec. Bah, du coup, tu peux dire merci à Bio. Merci, Boob, pour les 13 euros. C'est pour la DAR parce que je peux pas l'acheter direct sur Steam du coup. Merci. Bah du coup, Russian, si tu peux m'envoyer. Oh, ils sont bons en règle. Mec, mais mon son il est baissé, normalement c'est pas censé être aussi fort. Les subs, regarde, si quelqu'un se sub là par exemple, le son il est bon. Comme je vois monter, comme je suis satisfait. du coup j'ai acheté de la bière après. Yes. Non, d'accord, c'est cool. Encore une qui va faire péter. Non, je sais même plus ce qu'elle fait celle-là. Bon, on verra bien, c'est surprise. Attends, c'est quoi ça? Munition renforcée. Ouais, étourdir, capacité maximale. Ah, c'est pas mal, mais bon. Munition renforcée, c'est pas bien aussi. Apprenez de good news. Ah, j'ai pas le droit de danser, moi. C'est quoi sympa? Avec le pouvoir de l'amitié, vous prenez un budget 50%. Faut que tu t'arrêtes pour pouvoir danser. Obtenez un bonus de 8% de vitesse. Ton perso, je le vois danser, mais. J'ai pas le droit. Ton écran, tu vois pas. J'ai pas le droit. T'as pas le droit au bonheur, c'est tout. Hein. Classique. Ah. Tu sais qui avait pas le droit au bonheur? Tous les petits Africains. Staline. Ah si, Staline, il avait le droit au bonheur, mec. Ouais, c'est ça le problème. On met des confettis. Bon, allez. C'est la fiesta, c'est la fête. Santé. Ah oui, je me rappelle ce qu'elle fait. Ok, c'est marrant. Oh, ça va être de la merde. Oh, c'est de la merde. Comment on fait pour redescendre? Oh, c'est marrant, c'est pas marrant. Waouh, c'est de toute beauté. Je vole. Oh oui. Je vole. Il est quoi en haut? Je vole, Jack. Je peux floss? Oh putain. Non. Juste pour Russian. Beau déhanché. Non, non, je suis en haut, je suis tout en haut. Putain. Oh sa mère. Oh. Merci yes. Bob. T'as vu là le son du sub, il est parfait. Le son du don, il crache. Merci Bob. Badi Badoub. Merci beaucoup Bob. Badi Badou, tu es en vélo, fais du son du zéro. Allez. On peut aller en mission, s'il te plaît, je t'en supplie. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais merci. Mais t'as des émotes de ouf, wesh. Attends, c'est où qu'on peut mettre ses skins, Beckett? Ah, c'est trop tard, maintenant.
là, sur les petits écrans qui sont juste là. C'est là. Giffon. Louis XVI. Louis XVI. Abriti, va. Louis XVI. Et croisez, bâton. Tiens mon mot. Tu savais que la fin du monde c'était orchestré par les Américains? Mais non. C'est les autres, putain. C'est qui ça? Les autres. Qui ça les autres? C'est pas les mêmes du coup. Définis les autres. Tu sais, c'est quoi le visage comme ça là, et puis qui parle un peu. Vas-y. Après, ça peut être plein de monde. T'as l'air de tirer une bonne lancée, pour toi. La fin. Et quoi? La fin du monde, c'est le lobby ivoirien. Non, pas de blague, pas de blague, aucune blague, aucune blague, aucune blague, aucune blague. Passons. Oh, voilà, je vois pas grand chose. Et voilà. PTDR, il voit rien. Ah là là, la rigolade. Et on se marre bien entre potes, hein. Il est que 22h. Mais oui, Spider, il rigole pour de vrai. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Oh là. Non, non, jure, si c'est pas vrai, c'est fou, c'est fou. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on arrive en zone. Humide. En zone dégueu là? Parce que c'est un nouveau biome. Mais on dirait le Vietnam, j'aime pas. Mais c'est très bien le Vietnam, c'est très joli. Bah, ça me rappelle le Vietnam dans les années 70 et c'est beaucoup moins joli. Ça va, après tu vas chanter Fortnite Zone, ça va être bien là. Oui, ouais. Je crois que j'ai tout fait péter. Je t'ai fait une belle plateforme là, tu fermes ta gueule. Ah, le plaisir. Introduce myself. C'est quoi? I'll meet you. Il est parti, il est de bonne humeur, je suis rappelé. Tu te souviens quand on est passé dans Black Ops? Non. J'ai pas fait exprès. Putain. J'ai fait péter la moitié du contenant. Pourquoi il y a du jus dégueu par terre là? Un nouveau biome. Putain. C'est bien, au moins t'as suivi. Mais ça va être long pour avancer. Alors que si je fais ça. C'est pas comme si tu pouvais mettre des plateformes, dis donc. Bah, ou juste faire le tour. Ou juste faire le tour aussi. Et sinon, je peux avoir une plateforme pour l'or qui est là, s'il te plaît. L'or de Maison du Café. Mais il me le fout pas en plein milieu, putain. Impeccable. Momo, on sent la fatigue dans son soupir, mais non, Momo, il est joyeux, regarde. Et alors ouais. Recule un tout petit peu. Je me pétais la gueule. Attention, vous avez tous bien vu sur le stream, il y a eu tir allié. Non, il y a rétaliation. Rétaliation. Oh, vraiment une merde. Bon, par où qu'on va? Je sais pas. Mais, tu t'es loupé une fois. Il y a rétaliation encore. Oh, j'y suis pour rien, moi. Pardon. Attention, il me reste quand même quelques munitions. Ah, moi, il me reste pas beaucoup de vie, c'est marrant. Oh, ouais, vas-y. Bon, retourne pas au début, là. Attends. Oh, si, je pense. Mais si, on retourne au début, là. Mais non. Maintenant, on vient du début. Comment tu dis des bêtises? Oh là là. Comment tu dis trop de conneries? Ta mère va te défoncer, hein. Hmm. Je connais pas son nom, mais... Ah, c'est marrant, je pense que tu mens. Tu mens en allemand? Encore? Mais encore du jus! Tu bois mon jus, Momo? Je répondrai pas. C'est bien, par contre, tu peux tirer sur les ennemis. Mais y'en avait un, mec, j'avais même pas vu que t'étais derrière. Bye bye, oh les bobos. Ça se voit combien y a. Ah non, mais là il est parti, hein, il s'arrête plus. Mais y'a des ennemis sur vous, alors forcément je tire sur vous. Ouais, non, mais comme tu. Maintenant que tu le dis.
Il y a plein de champignons. Ouais. Non, par contre, ça. Tu fermes ta gueule. Cool, il parle mal en plus, oh là là. Oui, c'est Momo le lance-flamme. Oui. C'est moi. J'ai faim. Ouais. Momo, Vietnam, lance-flamme, tout ça. Momo, voilà. Tu cherches, tu sais ce que je vais dire, mais. Ouais, mais à chaque fois tu fais la même blague, si t'as aucune imagination, donc je m'en fous. Après, c'est compliqué, hein. Y'a pas vraiment de vanne à sortir sur j'ai faim. Bah, du coup, t'en fais pas. Oh, y'en a plein. Oh, y'en a plein. Y'en a énormément. Ah, le G-Fuel. G-Fuel, t'as trouvé. G-Fuel. J'aimerais bien là maintenant tout de suite faire un AVC. Bah, ça arrange, t'as du sel chez toi. Oh là. Ça peut aller vite. Ok, Mac, let's go. Je t'écoute. Tu prends du sel, tu prends une seringue. Tu fais 30 heures sur toi-même. Tu te le mets déjà dans la traveineuse. Faut prendre la veine du cul. Oui. Mais lâche le fion un peu. Ça, tu le mets dans les sachets de thé là. Tu trouves directement ton rectum. Le tampax, moi. Mec, un sachet. Un sachet de thé dans le fion. Après, tu fais une bonne opération. T'as plus qu'à mettre l'eau chaude. Non, putain. Eh bien, il comprend le principe du thé. Si t'as pas de sachet de thé chez toi, c'est chaud, mais. En plus, il en a. Non. Ah, du coup, c'est parfait. Bon, bah, faut savoir. J'ai pas de sachet de thé pour moi, chez moi. Ah non, il a sa merde là, le proto-café. Du Nescafé. Non. Si, maintenant j'ai du Nescafé, mec. Oh, non, mais le truc que tu buvais avant qu'il est dégueu. Ah, de la chicorée. Ouais. Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, bah écoute. Ouais, bah, y a là, 2 ans, c'est 600 jours, quoi, quand même. Non, mais la mort quitte. Ah, c'est peut-être plus, ça fera 700. Oui, bon, t'as rendu. Le sachet de chicorée dans la tête. Ah, oh, pour prendre un bon chicorée anal. Délicieux des matins. Oh, oh mec. Oh non, 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 ça c'est pas bon. Si tu veux être dans le thème, tu prends du Benko. Ouais, mais ça c'est facile. Ou du Nesquik, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ah ouais, faut du lait. Petit dire, c'est pour faire des céréales. Quoi. Plateforme, s'il te plaît. Occupé. Non mais par contre, tu laisses le robot venir sur moi, par contre, t'es gentil, j'ai des trucs à déposer. Non mais bon. Ah putain. Regarde tout ce que j'ai ramassé là. Le boss. Mais oui. Tu penses que d'ici je l'atteins, attention je teste 3. Si on pète en dessous ça. Pécab. Non, ça va se croire pas en fait. C'est infini en fait. Parce que c'est bon là. Ils ont pensé aux connards comme toi, du coup c'est infini. T'es sûr? Bah vas-y. Bah c'est pas infini, voilà. Ah. Et du coup. C'est quoi, c'est. Oh, ça tient dans le vide. Magnifique. Mais ça tient dans le vide, ouais. Bah du coup ils ont quand même pensé aux connards comme toi. Non, Spider, je ne sais pas qu'est-ce qui tient dans le vide, dis-le-moi s'il te plaît. La Libye. C'est quand qu'on est censé rire? Ouais, celle-là je l'ai pas. Je pense qu'elle est trop deep. Non, je pense qu'elle est pas du tout. Elle est trop deep, Space Rock Galactique. Allez, je me casse. Ouais, allez, le stream casse. Est annulé. Faut qu'on aille où là? Parce que j'ai chaud, faut qu'on aille où? Y'a de la gadou. Oh, mais t'as fumé de la sclérose en bloc ou quoi? Tu la fumes toi? Et après c'est moi qui est con. C'est pas fait pour hein. C'est le principe. Ah, on a pas visité par là. Comme ça que marche les drogues dures hein. Il a fumé un anévrisme. Oméga lul. Ah. Mais après c'est pas impossible de fumer Ouais, la suite. C'est qu'on remplaye. Bah non. Par contre, elle est où la reste de. Tu découpes les bouts de quelqu'un qu'on a et puis c'est bon. J'ai trouvé la suite, c'est par là. Oui, tu trouves quelqu'un qui l'a, tu le crèves, tu le fais sécher. Voilà, et puis tu le fumes. Du coup, tu fumeras la cigarette en plaque. Si tu donnes pas les moyens aussi. Eh, hey, la mort quitte là. Ça n'existe pas la mort quitte. Il y a un champignon en bas aussi. Tu sais ce qui n'existe pas? Le communisme. Alors. Je vis en France, poteau, il est bien réel. Mais non, c'est un proto, ça.
Pourquoi j'en roule à la gueule là? Ah, j'ai des araignées sur mon visage. Qui a inventé ces créatures? Dieu. Non. La théorie de l'évolution. Non, non Russian, la dernière fois, il a dit non. Il a dit que c'était Satan, les araignées. Ah, ah oui, c'est vrai. Crois, et je crois Russian. Oui, enfin, c'est Russian. Je crois qu'il parlait de créatures... Toutes créatures. Il a créature, un de théocratie, Russian. Je crois que si, hein. La théocratie? Oui. Là, c'est compliqué, ça, quand même. Pas particulièrement. Faut avoir froid aux yeux. Faut mettre des lunettes. Voilà, voilà, par exemple, tu vois. Faut pas avoir froid aux yeux. Oui, forcément, oui. Oui, ben... Dans le contexte, là... pas de théologie. Oh, il n'y a qu'un pas. Je suis pas sûr. Ça. Non, ça dépend si t'habites à côté ou pas, quoi. Bah, concrètement, le catéchisme, c'est un peu de la théologie, quoi. Pourquoi il m'attaque pas? Ma connexion, elle est morte. Ah, je crois que ma connexion est morte. Mais on t'entend. Mais t'es pas mort? Ça recommence. Putain, ah, c'est encore le bug de... On entend Momo, mais il n'existe plus. Ah! Ah, Momo, ah, il est PD. C'est assez marrant, ça, parce qu'en fait, du coup, on peut l'entendre. Mais c'est tout. Du coup, on peut l'insulter tranquille. Tranquille. Ah oui. Ah. Si le catéchisme, c'est de la théologie, c'est... alors... Allez bouffer au resto, c'est être cuistot. Mais on est tous un peu cuistot dans l'âme, c'est non? Profond. Ah, oui. Oui, enfin, ça dépend de ce que tu fais à bouffer, quoi. Oui, bah c'est sûr que des pâtes au sucre, par exemple. Mais après, ça c'est chétan. Il y en a qui en font, hein. Ouais, les Belges. Oui, non, mais voilà, non, mais eux, c'est leur peuple qui est chétan de base, quoi. Déjà qu'ils ont pas inventé les frites. Ça se saurait. Ah. Tiens, en plus, c'est, tu vois, regarde, il y a un mur à péter, mais il y a pas mon mot. Attends, je vais le réinviter. Et il est reconnecté au moins ou quoi? Ah bah je l'ai toujours pas en ami sur Steam donc... Ah. Attends, Faudrait que quelqu'un qui l'a l'invite. Mais je crois qu'il est perdu dans l'espace là, on va falloir attendre qu'il revienne. Bordel. Je suis offusqué. Tu es donc belge. Écoute, on appelle ça les French Fries, on appelle ça pas ça les Belgiens. Belgium. Ouais, après c'est les Américains qui appellent ça les French Fries. Est-ce qu'on peut suivre aux Américains? Je suis pas sûr. Hey. Ils ont inventé l'art du burger. Enfin, l'art du burger, bien hein. Bien sûr que non, puisque ça s'appelle un hamburger, puisque ça vient de Hambourg. Non, fallait pas lui dire. Tu sais que c'est totalement putain, faux. Putain, fallait pas lui dire, fallait lui faire deviner. Non, mais c'est faux, de toute façon. Je sais pas si tu rigoles ou pas, en fait. Ah non, je rigole pas, c'est... J'ai... Mais ça vient vraiment d'Hambourg. Mais non. Mais si. Mais non. Enrichis-moi de ta culture, hein, vas-y. Bon, vas-y, dis. Ça vient des États-Unis. Mais non. C'est tout. Mais non, mec. Mais pas okay. Du tout. Mais il est... T'as de la chance parce que j'ai pas... Ok Google, sinon je te l'aurais fait écouter en live. Mais attends. Ok Google. Est-ce que ça marche? Il reconnaît pas ma voix, par contre il reconnaît celle de mon copain. Je suis en train de me faire attaquer. Ouais, je veux. À cause de l'autre connard. Bon, attends. Laisse-moi faire ma recherche. Ok Google. Attends. Ok Google. D'où vient le burger? D'où vient le burger? Tu charges? De hamburger, lieu d'origine, Allemagne. Oui, mais c'est pas Hambourg. Il est con, il fait exprès. T'as pas de preuve. Il fait exprès. Putain, mais c'est un mec. Mais si on doit suivre internet. tu connais quelqu'un dans ta famille qui vient d'Hambourg? Bah non, parce qu'on est pas allemand dans ma famille, espèce d'immense con. C'est la Picardie! Je vois pas le rapport. Si ça vient de plus loin que. Comment dire? Que la Loire Atlantique, c'est allemand. Hein. What? Ah, c'est ça depuis la Seconde Guerre mondiale, mec. C'est bizarre, je crois que tu dis des conneries. Moi, je crois pas. J'ai étudié les langues, je te rappelle. Attention. Bon, par contre, faut qu'on aille où là? Parce qu'il y a plus de mort kit. Ah si, y'en a là. Ouais. Bon, du coup, t'as tort, t'es con. C'est fou. Tu sais qu'il y a du fantôme, ils sont des nazis. Oui, ils avaient... Par contre, leur bouteille est super stylée.
En même temps, c'était designé par Hugo Boss. Hein. Les bouteilles aussi. Ouais, tout. Il fait tout, ce mec. Ah, il charbonnait dur, hein, Hugo. Il faisait les hamburgers, les Fanta, il faisait tout, mec. Voiture aussi, il faisait tout, il faisait tout. Non, par contre, je savais pas ce que c'était parce qu'il y avait un embargo. Là, par contre, les 4. Oui. Ah, pardon. Je te l'ai noté, hein. Ouais, attends, je finis la marquette là. Là, je suis en train de récupérer l'or. Là-haut, il y a de l'or. Il le récupère. Ah bah. De toute façon, rien n'est mieux que l'eau. Rien n'est meilleur que l'eau. Non, mais toi, après tes goûts, s'il te plaît, tu bois. Comment ça s'appelle ton truc dégueu, la cerise là? Ah, Dr. Pepper. Délicieux, le Dr. Pepper. Ah. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais non, non c'est très bon. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que j'aime pas. Oh non, c'est dégueu, c'est trop sucré, mec. S'il te plaît. Bah oui. Bah non. Eh ben d'accord. Le débat est donc clos. Comment on fait ça? Ce sont des arguments bien avancés des deux côtés. Y'avait pas des tyroliennes, genre y'avait pas quelqu'un qui avait des tyroliennes en vrai. Bien entendu que c'est sucré, mais genre moins sucré que le reste, tu vois. Que genre l'eau. Voilà, c'est ça. Toi, tu chugues du coca classique tout le temps. C'est trop sucré, dit-il, chugant du coca classique avant de dormir. Ouais, et alors? Ça risque que c'est trop sucré, j'y peux rien. Toi, tu le fais avant de dormir? Non, c'est en réveillant justement pour que ça dépasse la gueule. Drake, il fait pareil. Quand il était chez moi, mec, je me réveille. Donc, 8h, la tête dans le fion. Allô. Et oui, Momo, tu es là. Oh putain, ça revient. Et j'ouvre les yeux et je vois Drake Tan, la bouteille de 1 litre de coca à la main en train de boire. J'ai fait. Non, mais ça, c'est. Ah ouais, ils sont jeunes, ça. Ils sont pas allés. Ah, il est pas bien. Non, mais ça dépasse la gueule de ouf. Mais mets-toi de l'eau sur le visage et bois un café. Putain, par où je suis où là? Le café il est pas pétillant. Mec, attends, ça fait quoi si tu fous du café dans un soda stream? Ça doit péter ta machine. Bah non. Mais du coup faut aller où? Non, par contre là je suis legit intéressé. Bah achète une soda stream et fais du café. Ça coûte cher en plus les soda stream, je crois. En plus. Juste au-dessus, les gars. Ouais. Je peux avoir une. Ouais, bah attends, faudrait que je puisse. Je vais avoir un mental breakdown. Et pourtant, le Dr Pepper, c'est moins sucré que le. Allez, chier. Bah, c'est peut-être moins sucré. Mais si. Quelqu'un peut inviter. Ouais, je le fais. Ouais, si factuellement c'est moins sucré, c'est moins sucré, point barre. Ça. Le goût, il est éclaté, mec. Non, bah voilà, t'aimes beaucoup trop sucré. T'aimes juste pas. Attends, par contre, je suis en train de me faire attaquer du coup. Faut faire me défendre le temps que j'arrive de mon haut. Ah, il est en chargement. T'as pu rejoindre? Ouais. Mais il a juste une cartouche de CO2 dans ta tasse de café et puis voilà. Aïe, où y a... Ah oui, il est fait. Qui n'a pas de cartouche de CO2 chez lui, quoi? Putain, la plèbe. J'espère que ça va pas repéter. Faut espérer. Les écolos! Mais même, je veux dire, tu vas au Hyper-U faire les courses, tu dis pas putain, j'ai pas pris le CO2. Moi j'en ai pour me défoncer au protoxyde avant de dormir parce qu'il y a que ça pour éveiller les démons. Ok. Oui, mais il faut des cartouches de Ok, espèce de fou furieux. Mais l'autre il est con, il me fait mais espèce de trou du cul, il faut des cartouches de CO2 pour SodaStream, mais j'ai pas de SodaStream. C'est vrai que j'ai que 20 balles. Comment on a des munitions déjà? Faut appeler un truc. T'appuies sur 5 et tu poses le truc par terre. C'est marrant, y'a plein d'ennemis qui arrivent. Oh la vache, c'est quoi cette merde là? C'est une sorte de grosse merde ça par contre. Ah j'ai plus de grenade non plus, c'est pas marrant. Oh la vache, allez je prends cher. Y'en a combien? Y'en a... Non on se prend. Oh putain. Bah ben, moi je suis mort. Y'a un mec en dessous de moi là. Ouais, ben, c'est moi. Bonsoir. Je ne vois rien. Je suis mort. J'ai plus de balles. T'es dans la merde, je sais pas c'est qui est en train de me réveiller, mais t'es dans la... Oh, sa merde. Il a parlé en vocal tellement il était vénère. Ah non, c'est ton vocal, il est activé au mot. Ah, eh ben... Ah non. Là, Putain, je me fais cra... Oh, y a tellement de monde. C'était peut-être pas la bonne mission. Y'a pas quelqu'un qui a genre un... Je sais pas, un trou noir. Ah non, j'ai... Putain, j'ai plus de munitions non plus. Oh merde. Bah y'en a en haut quoi, mais ils sont tous là. C'est le problème.
Je pensais pas que ça prenait 15 minutes pour récupérer. Je peux même pas vous ranimer, le mec. Je me fais cracher dessus en boucle. Je suis mort. Ouais, bah là, celle-là, elle va être compliquée. Putain, il reste 4 champignons. Et un petit peu de morquite. Oui, non, mais le problème, c'est que faut les ramener au vaisseau ensuite. Hein. Non, mais si Beckett, il les a, il peut les ramener. Oh, si ils se barrent sans nous, je sais pas si ça compte. La mission avant les hommes. Si, ça compte comme réussi si je me barre sans vous, mais bon. Voilà, on te regarde et puis. Ouais, tu serais juste un énorme lâche, mais. Tu serais bien. Un héros national, mais. Non. Voilà. Ah, ouais, non. Eh, il est beau ton héros national. Voilà, il est mort surtout. Ça vaudra pas péter. Hein. J'ai aspiré beaucoup d'air d'un coup là. Es-tu sûr de ce plaidoyer, jeune homme? J'étais prêt à faire un truc vraiment pas ouf, mais ça va. Vas-y. J'étais prêt à dire Roman Polanski. Putain, mais. Regarde, mais moi, j'ai foutu un peu plus de merde. C'est à cause de ça qu'il faut du protox en dormir. Je vais t'en emprunter parce que. Va commencer à en falloir. Putain, le protox. Parce que c'est quand même un sacré démon, hein, Spider. Le protox. Marrant. C'est marrant, il y a un X et des O. Comme dans Xoxo. Oh là là. Ça, tu vois, c'était pas marrant. Il la ferme jamais, sa gueule. Hein. C'est ce qui est pas marrant. Non, mais tu vas me le dire. Éclate. Chut, ta gueule. C'est quoi l'éclateur plasma? Il fait plus ou moins ce que vous attendez? Il libère 4 éclats de plasma? Bah non. Oui, mais ça veut rien dire à l'envers. De toute façon, on monte. J'ai répété ou quoi? Xoxo, on peut le lire à l'envers, mais non, ça fait Ox Ox. C'est vraiment con. Mais je piche pas. De quoi Ox Ox? Mais non. Qu'est-ce qui se passe, Momo? Oh là, j'ai perdu. Ah ouais, comme bison, c'est vrai, exact. Zibon. Onde de choc, déchirer la carapace de ces grosses bestioles. Ah oui. Revêtement d'armes première classe. J'aimerais bien aller tout là-bas, là. On serait tranquille. On serait pépère. Ah. Bah, je peux te filer une bière pour y aller si tu veux. Non, ça va. Non, je te... c'est un rêve. Ah, Momo qui recrache? Non. Bah, il a relancé le jeu, là. Maintenant, il bouge, là. Regarde. Momo, signe de vie? Momo? Momo, signe de vie? Ah, il est mort, hein. Momo? Pas signe de vie? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dans tes yeux? La dépression. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dans tes yeux? Putain, la vache. Toi, tu vas jouer dans une comédie romantique, toi, non, pendant ce moment. Momo? Marme! Bon. Bon, bah. Non, on a perdu un homme. Adieu, soldat! À la revoyure. Comment t'es nul, t'arrives même pas à ce truc? Mauvais. Mais attends, du coup, on va partir à 3 là? Ah non, c'est bon, il bouge, il est vivant! Par contre, on l'entend plus. Non. C'est pas mute? Non. C'est un peu triste. Je t'avoue, j'y pleurais. Est-ce qu'il s'est mute? Attention. Non, j'aimerais regarder, non. Juste pas envie de parler, il est triste. Du coup, c'est la même, là? Non, on a un autre biome, du coup, une autre map, etc. Ah, yes. Zone celui-là est vraiment dégueulasse, je suis des marécages. Ah, tu savais que la radioactivité, c'était vert? Ouais, c'est Discord qui doit acheter. Quoi? Tu savais que la radioactivité, c'était vert? Ah, dans des bidons jaunes. Oui. Ah, c'est revenu. Yes. Voilà, Dwayne, un centrayeur. Ça me souvient un peu. Il a raison. Tu savais que s'il n'y avait pas le signe radioactif sur un truc, c'est que c'était pas radioactif. J'ai lu dans Figaro, hein. Jusque là, je te suis. Oh putain, et lui, il va avec, en plus. Bah non, mais c'est logique. Non, mais dans 2 minutes, tu me dis que les éoliens, c'est le futur. Les quoi? Les éoliens. Ouais, pourquoi il y a des trucs bizarres? C'est quoi ce cristal? Je vais respirer mon coca, ah ouais d'accord. Directement dans les poumons. Du protoxyde, putain c'est marrant. Pourquoi j'ai écrit des mais c'est pas marrant, il y a juste des O et des X. C'est marrant les O et les X. Mais non. On peut dire qu'il y a des O et des bas, il y a des O et des X. Oh mon dieu.
Faut que tu creuses, Momo Oxmo. Et voilà, il va, mettre... veux, il va mettre des X partout. Eh, tu sais ce qui manque? C'est qu'il touche avec les X. C'est tout. Yadax. Non, Yodox, du coup. Rubex. C'est marrant parce que c'est vrai. Je sais pas ce qu'il raconte. Il y a un peu aussi, c'est marrant l'épée. Non, c'est pas rigolo l'épée. Bon, si c'est rigolo quand même l'épée. Super. Après, tu dis JPP. Après, dire JPP d'épée, c'est pas ouf. Non, non, mais c'est un peu compliqué. Rajoute un X et un O aussi, toi. JPPox. Oh, oh, 2002, mec. C'est complexe, hein. Ah, c'est pas facile de faire du néologisme, hein. C'est dur d'inventer des nouveaux mots. Putain, la vache, elle t'a sorti géolo... Non. Géolo... Oui, il l'a sorti, ouais. Oh, le breakdown mental. Oh. Son cerveau, il a pillé, quoi. Non, c'est décalé. Il y a des merdes, là-haut. Ouais. Ça va, Yadar? Oh! Oh, mec! Non, mais ça impressionne les premières fois. Ouais. Comment il est chiant, celui-là! J'imagine Spider, les deux doigts sur la tempe en train de froncer les sourcils et de réfléchir! Non, c'est surtout la langue, elle a essayé de se placer dans la bouche, genre, attends, je le mets comme genre, ça! Putain. Tu sais, ça me fait penser au gamin, tu sais, qui arrive pas à prononcer son mot là. What the fuck? Est-ce que les. Non, je suis tout seul. Mm. Yes. Yes! Bah, yes. Let's go! C'est quoi le mot que tu essayes de dire en fait, Spinner? Voir si t'arrives à le prononcer un jour. Néologisme. Je crois qu'il t'aime pas la fin. Dis-le plusieurs fois et rapidement. Oh la vache! Photo! il a pris 3 quarts d'heure de concentration pour dire une fois doucement. Faut pas abuser des bonnes choses, hein! C'est vrai que l'analogisme c'est très bon. Néologisme! Le néologisme c'est du cul! Bon. T'as oublié de mettre des X et des O! Bah, mais le jox, c'est pas ouf! Rigole pour de vrai. Non. Oh, t'es souhait. Non, ça c'est méchant, par contre. Va creuser avec ta Gatling, toi. Non, regarde. Bon, les gars, on fait l'event? Ou pas? Ah oui. Mais ça sert à rien qu'on la fasse, on n'aura pas l'objet à la fin. Pardon. T'es souhait. Ah, on aura une émo. Merci. Non. Non. Mais non, on l'aura pas. Non, on aura que dalle. Non, je viens de la plateforme pour la Morkite ici. Mais je suis en train d'en faire là déjà. Oh, 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 oh. Reprenons le minage s'il vous plaît. Mais les câbles. Je l'ai mis tout sauf à côté de la Morkite quoi. Bah du coup si je l'ai pas mis à côté c'est bien. Mec, la Morkite elle est là, il est tombé là putain. Il aurait pu le mettre juste là, ça aurait été parfait. Je parle pas à toi hein, je parle au chat. Y'a le truc qui bug, il se tourne toujours vers moi alors qu'il pisse le sang. Bon, pourquoi tu... Ah, et de la Morkite là. Attends, il est où le robot? Faut que j'appelle. Ah, bien vu. Oh la vache! Il dit pas encore une blague avec robot. Les robots. Les robots. Y'a pas de robot! Oh non. Quand t'aimes pas les robots. Les robots. Alligato, roboto, robot. Non, j'aime pas les robots. Oh non. Captain Dia, il en a assez bouffé. Je pense. Oh, pas les robots. Rip Captain. Tu as tout mon soutien. Mais c'est quoi ça? C'est juste de la merde en fait. Pourquoi il y a un œil là? C'est en merde. Ouais, mais c'est chelou. Mais c'est mal, c'est dangereux de les mettre comme ça. Parce que c'est dangereux. Ah, il y a un loot bug. Ça c'est pas bon, ça on est d'accord. Ça va. Non, ça faut les tuer. Voilà.
Il est où, il est là? Ah, dégueu, derrière. T'es pas censé être l'assaut, toi, premier sur la ligne, là? C'est moi qui tire dessus, hein. Premier sur le rap. Ok, Skyrock. T'as fait une ref à Skyrock, mec. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais, ça va. En 2012 plus 8. Tu sais que si Poléon il est pas là, ça sert à rien de dire ça. Oh putain, ouais, il va falloir lui dire ça. Oh mais mec. Oh c'est vrai, c'est une bonne vanne. Plateforme, oui, parce que mon cieux, il a pas les jambes. Il veut pas sauter à 2m50. La plateforme, ça sert à quelque chose. Je suis en train de ramasser tout le truc depuis tout à l'heure. Tu lui demandes beaucoup là quand même. Tu viens de commencer à ramasser, fais pas genre. J'avais déjà un stack complet, mais c'est pas grave. Allez. C'est bon là, elle est bien là. Elle est bien. Voilà, suce ma bite. Putain mais... Ça c'était pas nécessaire. Encore, voilà. T'es pas obligé de me tirer dessus. Hein. Prochaine fois tu te démerdes. T'es pas obligé mais c'est encouragé. Après, t'es obligé d'être pédé non plus, hein. Et pourtant... Ça, par contre, c'est homophobe. Venant de toi. Mais enfin, ça explique tout. Il y aura des conséquences. Tu sais qui est coincé, là. Spider se souviendra de ça. Non, il y a du caca par terre. C'est toi le caca. Comment, voilà. Ça me plairait pas. Sonar, il monte des bits, moi je monte les vidéos, chacun son truc. Oh, celle-là, mec. Je retiens même pas. Sonar a supprimé son homosexualité avec de l'hostilité. Ah, mais ça explique plein de trucs. Ouais. Mais en fait, s'il y a un truc qu'il préfère au croissant au fromage, c'est les énormes chiffres. Après, c'est vrai que c'est bon, les croissants fromage. Est-ce que t'as... Est-ce que... On a entendu le E. On a entendu le E et il est pas au début de croissant, le E. Putain. Le E, il était au début d'énormes chiffres. Je comprends pas. Oui, passe à nous. Ça ne passe à nous. Mais peut-être dire énorme croissant au fromage. Mm-hmm. Après, voilà. On ne saura jamais. Malheureusement. Mais je préfère penser à énorme chiffres quand même. Pardon. Merde. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais mais c'est ce que ça dit beaucoup mieux. Mais... J'en ai marre. Je suis avec 4 nains et une à deux qui sont pédés. Ça te change de ton apport du gros. Oui. C'est un fait. Après t'as des PD en ton appart? Bah non. Enfin quand je dis en ton appart. Bah de temps en temps quoi. Ouais ouais, y'en a qui viennent mais mis à part ça, hein. Je suis pas allé. Ouais non mais ce stream plein de confidences, plein de confidences. Beaucoup trop même. Ouais ouais, un peu trop. Confidence pour confidence, le stream lore là. Il commence à chanter, voilà, c'est bon. Je sais pas comment elle s'appelle la chanson. Donc ça ira pas plus loin quoi mais... Et quel plaisir. Merci mon dieu. Ah non, on commence pas à foutre dieu dans toutes ces affaires. Il y est pour rien. du coup il faut quoi? Non mais les fossiles on en a pas du tout là, c'est bon, on se barre. Si j'en ai un moi, ferme ta gueule. Mais il nous en manque que 5. Ah non, que 6. J'en ai un. Ah, ça va... ah non, que 5. Ouais, il manque 5. Mais vous en avez vu d'autres ou quoi? Baron derrière, il y a un prétorien. Il prête pas grand chose. Haha. Ouais, je suis public difficile. Ce soir c'est un public de goût, hein. Il l'a cherché, voilà, celle-là. Que... Pas vraiment. Va falloir que j'appelle. J'ai appelé un truc de restock, hein, parce que niveau balle c'est la mort. Ouais, ouais, vas-y. Bon, après, je vous ai pas spécialement demandé votre avis, hein, mais. Ah non, mais. Ouais, comme d'hab, tu joues perso. Voilà, bien compris, hein. Pas capable de faire des plateformes correctes, ça joue tout seul, enfin voilà quoi.
Ouais, voilà. Bravo Spider. On est en plein assaut par contre. Non, jure. Hop. Il fout une ambiance de merde, Spider, c'est dingue. Bah, bravo. Super, t'as niqué l'ambiance. On s'amusait bien. Que je suis pédé. Super. Ouais, mais ça, c'est marrant. Pardon? Ouais. Tu sais que c'est un problème grave avec notre société. Est-ce que t'es en train de dire qu'être homosexuel, c'est une maladie? Non. Là, tu viens de dire qu'être homosexuel, c'est un problème. De quoi? Ah, si, si, tu l'as dit. Moi, j'étais là. Il save the world. Il save them. Guys, we got him. C'est quoi, pour la peine, je peux le laisser. Non. Putain, insupportable. Et voilà. Fallait pas inventer des trucs. On a rien inventé. On a rien inventé. Putain, il y en a deux là. Regarde. Bah, va les chercher. Attends, où ça? Ah bah, il est clairement parti d'un coup. Non, mais il y en a un autre à côté, attends. Va loin. Attends, c'est un peu trop pentu pour que je mette ma tyrolienne. Pentu. Pentu. Il y en a un là. Où ça? Ah. Tu l'as? Hop. Ouais, j'ai. Et du coup, il en manque quand même. Il va y en manquer deux. C'est dommage. Quel enculé. Oh putain, il est pas mal. On est en train de péter Lyon d'après Torian, mais. Oui, on a tous nos problèmes, ça va. On avait compris, ça va, on le sait. Non, mais attends. Putain, il est radioactif. C'est bon, j'ai trouvé les quatre. Ah, nice. Les quatre, ouais. Bah, il y a Momo qui est en train d'en récupérer un. Il y a des araignées radioactives, c'est comme Spider-Man. Oh putain. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est de l'heure du jeu. Hein. Oui. Tu sais, regarde, je l'aurais pas appelé le truc. Et ben, jamais on aurait. Depuis que Spider elle a découvert qu'il était PD, ça devient son fer de lance. Ah, mais. S'il fait de la merche, ça sera concentré sur ça. Hein. On va, il va finir avec un petit drapeau arc-en-ciel sur son Twitter. Oh, safe, hein. Genre, il a rejoint le lobby. Il va changer sa bannière, il va mettre le drapeau. Pour 70 balles, je laisse une semaine. 70 balles? Ah bah. Tu sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent à dépenser ici. Hein. Franchement, 70 balles, je m'en bats les couilles, je laisse une semaine. Eh, hey, j'avoue, pendant 2 secondes, je me suis tâté à te dire. Et voilà. 70 balles. Il y en a qui ont décédé ici. Hein. Une semaine. Hein. 10 balles la journée. Oh, Momo. On se cotise. On se cotise. Qu'est-ce qu'il y a? T'es conviction anti. Ah bah, Abim, vas-y, hein. Anti... je donne 35, je suis chaud. Ah, Eterna. Merde, t'as mis un R en trop ou c'est comme ça vraiment? Je sais pas où je vais, Okay, c'est pas grave. C'est quoi, c'est plus chier? Tes convictions anti. Non, c'est hétéronormative, ok, d'accord, c'est l'octobus. Franchement. C'est plus cher que ta mère, hein. Gratuit ça. Après, tu sais, avec 70 balles, tu fais plein de trucs, hein. Mais non, mais oui, bah, je suis allé nulle part en fait. Ça me ferait chier de pas être dans le vaisseau. Oui. C'est quoi ça en fait? C'est un truc à. Après, vous avez juste plein d'explosions. Vous avez 2 minutes pour venir me chercher, quoi, il y a le temps. C'est quoi? En cumulé, t'acceptes? Je crois qu'il parle de trucs. Oui, oui, en cumulé, on accepte 70 euros. Non, j'accepte. Hein. Toi, par contre, t'as reçu ton jeu, tu fermes ta gueule. Non, mais oui, il accepte même. Écoute. Prends pour l'équipe, prends pour l'équipe. Attends, et pour 10 balles, j'ai accepté Metal Gear Survive. Sur ce coup-là, t'as pas été vite. Pour une semaine, pourtant. Bon, je vais baisser le son, on sait jamais. Bon, pour 70 balles, tu mets le drapeau LGBT et tu mets tes pronoms dans ta... Description. Oui, bah oui, I et IM. Pour 70 balles, du coup, ouais, je change la description. Le drapeau LGBT, est-ce que je fous un drapeau algérien? Non, par contre, tu peux mettre celui d'Israël. Ouais, non, ça, je risque des problèmes. Par contre, l'Algérie, c'est marrant. Attends, t'es en train de dire que l'Algérie, c'est marrant? Est-ce que t'es en train de dire que la carte algérienne, c'est rigolo, là? Ça va très vite. T'es en train de cracher sur mon grand-père, par exemple? Ça va très vite, très loin, par contre. T'es en train de dire que l'Israël et l'Algérien sont des pédés rigolos? Alors, moi, j'ai jamais dit ça. Comment ça, Yadar? Ça vous inspire la bande de Gaza, bande de connards? De quoi, vive Palestine? Ouais, pardon. Pas les quoi? Hein? Non, mais sinon, les 70 balles.
pour Spider, qui est pédé. Non mais ils sont, pour, ils sont pas pour toi. Hein. C'est toujours un... Oui, non mais c'est toujours sur le plateau. Ah oui. Toujours sur la table. Enfin, ça changera pas avec le fait que tu sois pédé, hein. Putain, comment tu me... Tu me genrises un peu, là. Bah non, j'ai ni aucun genre, là. Si. Bah non. On va attendre. Ben justement. Ah. Faut pas inspirer à Gaza. Ah bah non. Et pourquoi? Est-ce que t'aimes le gaz sarin? Et la poussière de bombe. Ça, ouais, c'est... J'ai survécu à une IRL, hein. Ça va. Putain, c'est à nous de dire ça. Oui, déjà. Puis entre les caisses de quelques ahuris et le gaz de Bachar al-Assad, bon. Comment ça? Tu supportes Bachar al-Assad? Quoi? Non. J'ai dit des facts. Pardon? Pardon, y a... Ah ouais, attends, j'augmente le son. Ah oui, putain, j'ai baissé. Il y a de la bière. C'est bon comme ça? J'ai juste baissé OBS, en fait. Ah, mais c'est encore la bière qui pue, là. Non. Non, c'est la bière de l'espace, allez, c'est parti. J'étais en train de me poser une question, mais ça, c'était con. Ah, je suis au vaisseau. Pépère. Moi aussi. Pourquoi? Yadar. Lui-même. Yadar. Lui-même. Pour combien tu défends Roman Polanski sur Twitter? Oh là là. Oh la vache. Oh, oh sa mère la pute. Oh putain, la mise à mort. Avec le hashtag, bien sûr. Le hashtag César. 666 balles. Adwim, on se cotise. Je dis pour combien 666 balles et si tu te cotises c'est 2 fois 363. Hunter, pour combien tu défends Polanski sur Twitter? Comment dire bah oui. Oh elle était vénère mec. Oh putain. Ah c'est ghetto. Et t'insultes Florence Foresti au passage. Ouais bah ouais, c'est comprenant. C'est ce cadeau ça. Ouais ça c'est la maison. C'est la chantilly un petit peu que c'est. C'est la crème de la crème. Oui, il y a dans la crème du pénis, ah. Non, je n'ai rien dit. Tu as pensé au pénis encore tout seul, voilà. Non. Bah, bravo, non alors, mais c'est... bravo. T'es pas le genre de mec genre qui rigolerait si on dit si gougoui. Non. Par contre, visiblement. C'était pas du rigolate. J'ai fait tomber ma clope tellement c'était vénère et controversé. Ah écoute. Tu m'étonnes, poteau. Au grand mot, les grands remèdes, hein. Putain, mais il sort des expressions complètement random, c'est formidable. Mais du coup, pour un prix legit, pour combien tu fais? Parce que 636, c'est beaucoup. Bah, mais c'est Roman Polanski, quand même. Ouais, mais quand même, 666... Il vaut pas 666 balles, mec. Il a violé 15 personnes, le boug. Le boug. Ça, je le fais pour 20 balles, la grosse foureuse, il a pas peur. Ah ouais, quand même, ouais, c'est beaucoup 15. Hein. C'est beaucoup 15. Non, parce que bon, on insulte Electronic Arts sur leur Twitter et tout ça, mais bon, on gagne rien. Faut qu'il y ait un peu d'enjeu. Mais après, tout à l'heure, j'ai vanné une chinoise. Ça compte ou pas? Oh là. Non, c'est gratuit ça. Bon. Bah, ça compte pour moi. Ça devient un bonus. Ah. Ça va alors. Pourquoi c'est encore le Vietnam? Attends, pourquoi complexité de la cave, y'a quasiment tout qui est rempli là? Ah, faut récupérer les mules. C'est toi les mules? Ouais. Là, il va y avoir des petites mules cassées, il va falloir les réparer. Je te la mets là le truc ou quoi? Ouais, non, bah c'est pile au-dessus, tant pis. Tu la mets où tu veux. Tant que tu fais ça à Spider Momo. Je suis en train de chercher d'autres pour combien, mais là je t'avoue que je suis un peu à court. Bah t'as commencé super fort surtout donc. Ouais, c'est à dire que là, Roman Polanski, je pense que. En plus d'actualité, c'est chaud quoi. Ouais. Aïe. C'est vrai que j'aurais juste peur de descendre en fait. Tu vois, c'est con parce que. Bon. On pourrait pas dire, genre par exemple, est-ce que tu défends. La position du gouvernement sur le régime des retraites, tu vois, genre ça, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Bah surtout que maintenant, c'est un peu tard.
Bah ouais. Vu qu'on a littéralement plus le droit. Donc bon. Ou si on a toujours le droit. Non, non, non. Qui a le droit? T'as le droit de le défendre, après t'as pas le droit, tu peux rien y faire. Ah bah oui, non, bah non, on peut plus rien y faire, donc on est baisés. Enfin, on, loin de moi d'être communiste, hein, bien entendu. Mm. Ouais, j'ai... j'ai chaud. T'étais à deux doigts de passer dans le viseur. Les mecs, j'ai chaud, là. C'est bizarre, il fait un peu chaud ici. La température, elle augmentait subitement, là. Il a fait une école de comédie, quand même. Qui? Toi. Bah non. Et là, t'as le sens du second degré. Tire à loin, Yama. Je t'avoue que je suis rien à ce qu'on est censé faire depuis tout à l'heure. Bah non plus. Vite fait, quand il y a des vagues, j'essaie de me concentrer, mais là... Tu peux mettre une bonne chance. Oui, c'est les mules à récupérer, mais... Faut les récupérer et les mettre sur les... sur les mules. Les robots. Les robots. Je suis déjà quasi full en nitro. Ça va, on a juste parlé des robots, on n'a pas parlé des parano. Ah ouais, on peut parler des parano. Mec, dis-toi qu'il a dû se faire 4 heures de robot. Ouais, mais écoute, personne n'a forcé non plus. Hein. Non, c'est vrai. Et on est tous, on te remercie tous très fort. On est très fiers de toi. De ouf. La passion. Ah ouais. Ça existe encore? C'est non. Un peu haut! C'est un peu, ouais! En 2020, c'est un peu lent aussi. Ça existe encore, Dailymotion d'ailleurs? Oui. Enfin, défini existe. Oui, défini existe. Du contenu. Parce que c'est encore là. Bah, après, la chaîne, le stream, le live, ils ont fait 1 million de vues quand même. Hein. Ouais, ouais, 1 million de vues achetées, ouais. Ouais, je sais. C'est ça, mais... en partie à Webedia, hein, donc du coup. T'as des preuves? Oui. Littéralement oui, vu qu'ils ont c'est quoi ils ont fait, c'est quoi le terme qu'ils ont fait? Bah ils ont bidé en fait. Non non mais pour le million de vues sur Dailymotion, ils ont utilisé une tactique. Je sais plus. Je crois qu'ils avaient mis le laisser en embed. Ouais voilà, ils avaient mis leur lien en fond et du coup dès que t'es sur le site ça comptait. Que pour Karim Debbache, mais Karim Debbache, il a dit qu'il était pas chaud pour refaire cross. Ouais, c'est ça, c'est l'embête. Ouais, c'est où les matériaux qu'on les pose? Parce que j'ai un truc là. Ah, c'est long, septembre de Régis Robert. Là, ça sert plus à rien, on a sauvé celle. J'ai une jambe là, il y en a une deuxième là. Ouais, il faut trouver la mule maintenant. La petite mule cassée, faut la trouver et mettre ses jambes. La petite mule cassée. Je me suis cassé la mule. Ouais, c'est chaud, ça armée. Ah, j'ai presque plus de vie. Donc oui, c'est chaud sa mère, là. Non, mais j'étais en train de me faire poursuivre. Mais non, ça c'est après, c'est plus tard. Ah. Si vous avez la mule, vous me dites, hein, j'ai un jambe. Parce qu'il y a l'autre jambe qui est là-bas. Elle fait un petit bruit, normalement. Bah, attends, là, il y a une autre jambe, là. Ah, mais oui, bah c'est celle-là que j'avais. Bah du coup faut trouver la mule maintenant. Je l'entends, elle est par là. Elle est pas loin. Putain, il a l'oreille pour les mules. Elle doit être en dessous là. Il est où? Ouais, elle est là. Ok, là-bas. Dis-le si on te fait chier. Non, tu me casses les couilles. M'en fous. Et oui, c'est... Hop, vas-y, attrape. Alors, comme le dirait quelqu'un, je suis pas sûr qu'on puisse casser une coupe. Oh, je suis pas si mettre. Non, ça suffit, franchement. Oh, mais c'est bon, bientôt il va partir avec lui. On va être tous les deux. Comment ça, on va être tous les deux, pardon? Et non, voilà toi, eux deux. Ouais, il y a un gros truc, il y a un gros truc sur ma gueule. Quel ouf, là. Il m'a. Oh non, oh putain. Oh, est-ce l'enculé. Ah, ok, tu vois, Yadar, quand tu demandais s'il y avait des boss? Oui. Welcome. Ah d'accord. Welcome, bienvenue. Ah oui, oh dis donc. Alors mais... il one shot hein, donc reste. Mais quel reste beau fessier vous avez, madame. Putain, l'autre il a regardé droit dans les yeux. Ah, reste à distance, il one shot. Je suis mort. Je suis mort aussi, j'étais à distance pourtant, c'est pas grave. Ah mais je brûle plus nucléaire, nice.
Ce serait pas de bro-péder quelqu'un d'autre quand même, Momo. Bah non, justement. Pour ça, ça m'a un peu inquiété quand il a dit tous les deux, là. Il est mort. Yes. Et moi de même. Oh, le truc, il m'a one-shot. En explosant. Ouais, bah ouais. Mais après, moi, j'étais corner trap par des araignées, donc... Désolé, Dota 2 Master. Quoi, il parle. J'ai m'a attaqué dans la jungle en mid lane, alors enculé. J'ai juste dit corner trap, mais vas-y, tranquille. Dis des mots aussi, là. Mais pourquoi t'as dit Dota, ouais. Corner Trap, c'est plus Street Fighter ou n'importe quel jeu de baston? Oh, Street Fighter! Espèce de sale merde! On se fera Tekken! En plus, bon, ah, il y a pas quand tu utilises des mots, il utilise les bons mots quoi. Y'a le tuchisme! Ah! Mais par contre, elle est où la musique? Ah, voilà le tuchisme, elle c'est parti! Elle est déjà réparée la musique? Eh oui, ah, c'est bon, on a réparé les deux là. Okay, les deux? Champion. Ok, j'ai 5 champignons à poser là. J'en ai 5 aussi. J'en ai 4. On va avoir fini les champignons du coup, ça c'est cool. Ouais, mais attends, il est où le robot? Le robot. Le robot. Alors, du coup, on peut quand même déposer dans la fusée. Hein. Ah! Allez, tac. Faut que je me vide. Ouais. Si tu pouvais le faire loin de moi. Mm-hmm. Et du coup, il en reste 3 champignons qu'on a pas. Non, Momo il a dit qu'il y en avait 5. Je les ai posés moi. Ah, moi aussi. Du coup, il nous en reste moi aussi, j'ai mis les miens donc. Et du coup, il nous en reste 3. Est-ce que j'en avais. Tu te vois en bas de ton écran hein, si t'en as. Attends, je suis tombé en bas. J'ai appelé une capsule au cas où. Vu qu'on va se taper sans doute une vague. Ah bah là, on va s'en taper plusieurs. Hein. Non, j'en ai pas. Comme Tardier, il a fini le best-of de Génération 0, il a dit putain, plus jamais. Putain, je joue jamais à ce jeu et maintenant je sais pourquoi. Mais c'est parce qu'il était pas ouf. Non, c'est parce qu'il y avait des robots. Ah, c'était peut-être les deux. Hein. Ah, c'est vrai qu'il était pas ouf et qu'il y avait des robots. C'est sûr. Bon. Après, dire qu'il est pas ouf. Un euphémisme, voilà. Où est-ce qu'il y aurait des trucs pour ne pas dire chiant comme la mort. C'est qui? Je crois que c'est Hunter et Funé qui ont joué, comme quoi ils. Et qui l'aiment bien. C'était pas mal. Ouais, mais bon. Parce que c'est juste qu'on est pas laissé assez loin ou alors qu'on était pas dans le bon mood. On s'est pas laissé assez porter. Peut-être qu'ils se badigeonnent dans la merde aussi, enfin. Hein. Seraient-ils indiens? C'est un peu vénère, mais. J'ai un champignon. Plus que 3. 2. J'ai un rhume. C'est long, la tyrolienne. C'est Il y a long, des upgrades pour ça ou quoi? Ouais, tu peux mettre un perk pour aller plus vite sur les tyroliennes. Bah, c'est pas mal, si tu peux le prendre. Mais non, c'est pour c'est chacun pour ça. Chacun le prend pour cette. Oui, pour non, mais. Sur la tyrolienne, en fait. Je parle pour moi, hein. Mais on s'en branle alors. Oui, voilà. Bah non. Bah si. Bah non. Le chat ne s'en branle pas. Je suis certain. Ouais, c'est une idée de merde, je suis mort. Les robots, Yadar. J'arrive. Les robots. Moi, je m'en branle. Les robots. Oui, mais. Je m'en branle. Qu'est-ce que tu ne qu'est-ce que tu ne t'en branles pas? J'écoute. Doom Eternal. C'est vrai. Ah, ça sort bientôt, hein. 20 jours. C'est vrai. 20 jours. 20 dodo, quoi. Tiens, Hunter, il reste combien de dodo pour avant Cyberpunk? Le cours de l'or à chiffre. Je sais pas que tu t'intéressais à ces sujets. Tu sais que Chypre, si tu remplaces une lettre, ça fait Chypre. Encore la bite, Spider, il faut arrêter un jour. Comment tu penses du coup, Chypre? Quoi? Il parle. Il y a un Y. Oui. Ouais, alors tu dis pas Yadar. Tu dis Geoffrey. Comment tu prononces Chypre du coup? Oui, il le prononce pas, il a la bouche pleine. Petite fan gratuite. Je sais pas si tu l'as entendu. Ça va faire 200 dodo à minuit. Nice. Attends, soit je sais pas lire, soit il est totalement con. Bah non. Non, c'est toi qui prends ton document. Mais ça sonne bien aujourd'hui, c'est pas dire. La connerie. Moi, pas confiance. Hein. J'ai failli tomber dans le trou. Ils sont où ces putains de champignons de merde là? Oh là, c'est quoi cette merde? Merde. J'ai enlevé de la coque.
Je sais pas, parce qu'il me disait que pour mon lance-grenade, en gros, j'avais un truc qui brisait l'armure. Ça brise pas du tout l'armure. Pas sur les oppresseurs. Mais apparemment, sur les oppressés. Putain, ça veut dire qu'on peut pas, le faire sur les mâles blancs. Voilà. Putain, fiche. Alors, j'irai pas jusque-là dans cette discussion. Alors, j'aimerais bien qu'elle s'arrête d'ailleurs. C'est le cas. Bon, écoute, c'est pas très grave pour les trois champis là. Ouais, mais quand même. Ah, tiens, attends. On a pas que ça à foutre quoi. Non. Bah, moi aussi, j'ai que ça à foutre déjà. Bon. Bah, on va que ça à foutre, du coup, on va chercher champignons. Ah, déjà, j'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Ça fait des faut réparer la machine. La machine. La machine, c'est pour le mettre les robots. J'ai tout. Ils sont réparés les robots. À côté du drop pod. Tiens, attends. Je sais pas si ça peut nous servir, mais vous pouvez ramasser ça là. Faut se mettre dans le cercle. Ouais. Ah, cool. Ouais. J'arrive, je vais prendre. Ah, oh, ça va bien. Faut qu'il y ait toujours au moins quelqu'un dans le cercle. Je quitte ce stream, trop de mauvais souvenirs. Mais non, reste donc ici. On est bien. Mais oui, on s'amuse. On est bien. Donc, il y en a qui vont se le prendre après ou quoi le jeu. Est-ce que ça leur a donné envie de l'acheter? Y'en a qui vont s'inscrire pour le tournoi Rocket League. Tu casses les couilles. Ah, écoute, si tu veux, je te vire du truc. Hein. Non, mais tranquille. Ça va pas commencer. Hein. T'as dit quoi? J'ai pas parlé. Hein. Fais gaffe à ta gueule. Ouais, tu vas faire quoi sinon? Oh, tu sais, Momo. Bah non, justement. Tu peux faire plein de trucs, hein. Bah, site. Je peux pas là, je suis en train de combattre. Non, honnêtement, j'ai pas trop envie qu'ils commencent à citer. Non, car j'ai pas d'amis ni de bon PC pour jouer. Ah. Mais j'ai l'impression qu'ils pompent pas énormément hein, le jeu, ils n'ont pas. Oh merde. Un boss quoi encore. Oh enfin, non. Quand tu le lances au début, il se met en ultra direct. Mais mis à part ça, c'est facile à faire tourner. Pas hein, énormément pour faire tourner. Ouais. Je l'ai en ultra et je t'avoue que mon PC c'est un peu de la merde. Bon, là il est pas en ultra hein, pour les besoins du stream mais non. Aïe aïe, ça brûle. Ah mais oui brûle, mais je suis con, j'ai oublié que ça vaut une chose. Ah bah je suis mort. Eh hey, mais c'est... Y'en a... Pourquoi ils sont deux au même endroit là? Je sais pas mais je suis mort. Je t'avoue je comprends non, rien. Normalement il lui restait plus beaucoup de vie. Non je connais les capacités de mon PC, ouais t'as un genre de... De toaster hein. Ouais voilà. De Pentium. Never obsolete. Heureusement que je suis sympa et que je vous ranime. Merci. Bah, c'est un petit peu ton devoir. Si, j'ai. Oh la putain de. Par contre, il a fait un gros trou de bâtard. Hein. Le bâtard. Oui, j'ai foutu un drop pod, mais. Enfin, si, oui, une sorte de cargaison de livraison. Allez là. De livraison, là. Il nous manque que deux champis là. Je vais essayer de faire un peu le tour pour voir si j'en. Mais t'avais dit on mangerait des knackis. T'avais dit on mangerait des champis. Délicieux champignons. Non. Si. Ça dépend lesquels. C'est, oui, ça dépend. Putain. Mais ça va. Champignons de Paris, c'est le tiers. Oui, bah c'est le. Bah, c'est le tiers, mais ça reste pas mal. Ouais, non. Bah, c'est une petite base quoi, c'est une bonne base. Les cool mail, mon gars. Ça c'est du sport. C'est du coup il me parle de Koum lui. Du Koum elle. Il veut encore Koum. Il veut Koum dans les champignons. Sur ces champignons, ce gros dégueu. Les champignons la crème. Les champignons à la crème. À la crème et à la pénis. Avec un peu de Koum l'aile. c'est bon, ouais, mais c'est bon le champignon de Paris, c'est une bonne base tu vois. Après ça vaut pas des bolets. Alors là par contre, des bolets. C'est toujours une personne dans le cercle hein, les gars. Et je suis dans le cercle. Ouais, bah faut que tu restes tout le temps. Bah ce serait bien si on était plusieurs. Non, je cherche des champignons. Tu veux pas de coum, Momo? Non, je fais des champignons. Tu veux pas de coum dans tes champignons? Bah si, ah j'ai un champignon. Il n'en manque plus qu'un du coup. Champignon. Et je crois que j'ai le deuxième. I've got the higher game. Ouais, j'adore. J'ai le deuxième, j'arrive. J'arrive. Il y a encore un gros con qui crache à la cible.
Mais toi, Yadar, tu craches pas d'acide. Non, mais là, je suis en haut, donc... Aïe, 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 aïe. Et puis, attends, si je fais... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je suis dedans, là. Non, je suis pas dedans. J'aimerais bien jouer merde, jouer putain. Autre chose. Là, je suis dedans. Y'a autre chose que le fusil à pompe pour l'ingénieur ou quoi? Ouais, mais faut passer le niveau pour le débloquer. Et c'est quoi le truc? Je me suis un petit peu suicidé. Je crois que c'est une SMG, genre un espèce de Uzi. Oh, ce serait bien en vrai. Me suicider, c'est la merde, parce que je suis tout en haut. Mais l'ingénieur, si tu mets pas ses tours, il pue la merde. Ouais, j'avais cru comprendre. En low level, c'est celui où je galère le plus à le monter actuellement. J'ai vraiment le moins de fun à jouer à ingénieur, quoi. Ah, je t'avoue que là, j'en ai pas masse. Autant je kiffe toutes les autres classes, mais ingénieur. Qui a creusé un trou dégueulasse là? Mais c'est pas nous qui avons creusé. C'est tout à l'heure le boss qui a explosé. Non, il y a un trou dégueulasse juste à côté de trucs d'essence. On dirait un truc que Momo il peut faire. Ah, mais c'est Momo qui est en dessous. Je suis trop pour voir les champignons. Non, non, c'est pas pour voir les champignons, c'est pour être à l'abri. Oui, oui, regarde-le. Regarde-le, petit bâtard. T'as des boucliers ou pas, Bécart? C'est chaud. Hein? J'ai pas de bouclier moi. Putain, non, mais il t'en avait la dernière fois, merde. Oh la vache. Non, c'est c'est Yadar qui en a un de bouclier. Sur le 4. Ouais, mais Yadar il est bon. Ah. Waouh, je me suis fait virer du truc. Ouais, c'est bon, j'y suis. Mais Momo là il. J'ai plus de balles pour mes tourelles. Ouais, non. Il est mort où Yadar il... tout en haut. Ah, j'y vais. Fonce. La France te regarde. Ouah, j'ai plus de vie. Zichon. Wesh, cassez-vous. Oh putain. Ouais, non, non, c'est la merde. Dans le cul du truc. Non, c'était la merde. Ouais, non, c'est la merde. Le prétorien, il est mort. On va tous crever, putain. Mais non. T'as encore des boucliers, Bobo, on est bon. C'est bon, c'est bon. On se barre, on se barre. Non, il faut que t'attendes 1 minute 30 avant que le truc il s'ouvre maintenant. Ah, mais non, je suis pas d'accord. Oui, mais t'es pas d'accord, peut-être, mais le jeu fait ce qu'il veut. Bah, le jeu, je l'emmerde. C'est bon, on a les champignons, les mecs. Ah, yes. Y'a pas du soin quelque part? J'ai pas l'impression. Eh, franchement, c'est cher. Oh, oh la vache, eh, c'est pas cher qu'à prendre sa peau. Oh, 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 le short cul. Le short cul. Oh, je fais le tour là si je peux pas trouver du soin quelque part. Oh, ça a l'air du monde. Ouais. M'attaquez pas, je recharge. Allez, Momo. On te regarde. C'est chaud. J'ai quand même bien fait de la placer cette tyrolienne. Ouais, elle me sert à rien. Oh, allez, les copains. 20 secondes, de toute façon, j'arrive. Allez. Mère, il est fou. Revive. Ça vient la pute. Oh là là. Ce move, pro player. 400 d'IQ. Oh, big brain time. Ah, je vais claquer les mecs, putain. Non. Chute dedans. Oh non, j'ai claqué. Il n'y avait personne derrière, putain. On se souviendra de vous. Garde-moi ce bâtard. Je te lâche. Ah, il y a plein de petites araignées sur mon corps, c'est dégueu. Can you see? Oh, regarde, on voit Spider tout seul. Dans son compartiment. Abandonnant ses amis. Abandonnant sa mission. Est un succès. Bah les couilles. Bah non, la mission, c'est un succès. Non, mais la mission, c'est ramener tes amis vivants, en fait. Ce que tu n'as pas fait. Je suis plus fort. En même temps, on est tous morts. Hein. C'est le pire mec qui a survécu. C'est faux. Ouais, le lâche, quoi. Ouais, mais... Toujours debout, toujours vivant, toujours banal. C'est rigolo, pas nous. J'ai des points de compétence. C'est complexe. Hop, réclamer la récompense. Putain, mais je sais pas dans quoi les foutre, moi, mes trucs. Là, t'es gentil, mais...
Moi non plus, il me faut le compteur, je sais pas où les foutre, ça me saoule, du coup je les mets pas. Voilà. J'en ai 11. Ah. Ah, c'est bien ça. Oh la vache. J'ai un peu la dalle. C'est bon. Lourd la dalle. Mais non, j'en fous. Putain, je suis toujours pas niveau 12 là. Sa mère. Allez, y'a un casse-couille qui appuie sur un bouton. T'aimes pas les boutons. J'ai horreur des boutons. Je sais pas ce que tu rates. Ça fait quoi du coup ça? Et avec. Ça fait quoi si tu bois la bière de tout le monde? Bon, bah, pas de différence. Oh, voilà, il fait soif. T'as pris quoi comme bière? Je sais pas. La deuxième, elle coûtait pas grand chose. Ouais, c'est de la merde ça. Moi, en fait, cette bière là, elle ne sert que quand t'es bourré. Si tu veux dessouler, tu bois cette bière là et ça te retire l'effet de. Tu fais que t'es sous. Mais pourtant, on dirait un truc limite irlandais. Ah, première classe, c'est pour la gueule. Oh, il est joli. Ouais, il est dégueu. Ça s'appelle la leaf lover, mec. Les gens qui aiment les feuilles. C'est pour les. Ouais, elfes, bah quoi. Les Irlandais, c'est, quoi. C'est ultra pédé, quoi. Les Irlandais, ouais. Bon, allez. C'est quoi celle-là? Oula, Gutbreaker. C'est le truc qui nous fait péter, c'est ça? Non. Je sais pas du tout ce qu'elle fait, celle-là. Moi, je t'avoue, ça a pas un effet tout de suite. Hein. Ah, si. Ça fait roter. Eh bien, tu m'en diras tant. Pourquoi je me téléporte? Je me téléporte vraiment ou alors c'est la connexion qui pète un câble? C'est ta connexion qui pète un câble. Yes. Hop, ça s'est tout amélioré. C'est marrant, les roues. Ah, mais ça joue à Deep Rock. Ouais, non, je me suis dit aussi, Apex, il a changé. Il tourne. Rockin' Stone. Mais il est bien, le jeu. Hein. J'aime beaucoup. Mmh. Ouais, il est très cool. J'ai déjà tout. Il reste ta bière, Yadar. Ouais. Merde, je l'ai prise. Attends, je sais pas si je peux te la donner. Ah merde, bon bah. Ah, tu me l'as bien donné là. J'aime trop comment tu m'as regardé pendant que j'étais en train de la boire. Oh la vache, mon perso est mort par contre. Bon, faut que je prenne de la Leaf Lover. Ah, il y a une accumulation d'alcoolisme. Ouais. Ouais, après mon perso il se balade tout seul. Ok. Là, je vois littéralement l'écran en double, donc. Il se passe quoi sur Twitter en ce moment? On s'en branle, là. Ouais, oui, bah déjà. Mm-hmm. Pourquoi cette question? Non, encore ça. Ouais, ça parle de Polanski. Classique. Ah, il est parti pour changer sa bannière, là, ça y est. Bah non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu les dits dons. Les quoi? Les dits. J'ai pas. C'est juste une expression. Oh. Ah mais Choubi, t'inquiète, j'ai 100 heures de jeu sur ouais, c'est lui qui a proposé hein, pour ce soir, donc il est arrivé avec ses beaux panards, il a fait hihihi les mecs, le jeu il est gratuit ce week-end si vous voulez jouer. Il a même pas fait de pub à Focus au passage. Même pas. Décevant. Ouais, c'est le boulot. Hein. Ah, c'est Focus derrière Deep Rock Galactic? Non, pas du tout. Ah, je croyais que. T'as droit bien aimé, ça aurait été. T'as le droit de jouer à des jeux qui viennent pas de ton entreprise. Oui. Dans ma vie, ouais. Putain, c'est ça, ne pas vivre sous un despote. Pas Spider. On dit des copains. Il y a pas de liaison entre des et potes. J'en ai marre. À l'aide. À l'aide. Please help me. Le musicien. Ah, on a éclaté un truc au passage.
Eh ben, d'accord. Ah, ça commence bien. Mais en fait, c'est parce que le pompe, il a pas un punch assez bien. Alors que la Gatling. Bah après, enfin, comme dire, le truc qui fait tes dégâts, c'était toi, là. Ouais, mais elle tombe vite à court de munitions, quoi. Oui, bah... Fait que ça va être suicide non plus. Non, mais je veux dire, elle tombe vraiment vite, quoi. D'ailleurs, ouais, pourquoi on vient les faire chier, les trucs, sur cette planète, là? Parce que de l'or, on en a un peu d'importe. Parce que t'es un nain et tu fais ce que tu veux. Mais non, c'est juste qu'elle est ultra riche en divers minerais que tu trouves pas ailleurs. C'est genre Avatar en fait, là le jeu. Ah! Et on est les méchants humains! C'est ça. Mais en main. Pas le problème. Donc pas humain. Mais il y a des space méduses là! Oh non, le froid. Ça, si c'est une mécanique que j'aime pas. Il vient d'où là? Normalement, il y a des espèces de mini solas à des endroits. Non. Mais il est devant toi, gros. Déjà. Ah, d'accord, c'est juste un. Et du coup, quand il y a la tempête, il y a des espèces de sauna là, comme ça. Vous pouvez vous mettre dedans, ça vous réchauffe. Mais prenez pas surtout le champignon qu'il y a ici. Oh, t'inquiète, je le ferai pas. Ouais, non, je sais que t'aimes pas l'objectif. Y a un œuf là-haut. Ouais, il y a un œuf en haut. Si et je te y fais y a... une plateforme comme ça, c'est bon ou quoi? Tu peux la foutre non, un peu plus bas. Tu peux la foutre un peu plus bas. Ah non. Non, c'est bon. Hop, voilà. Ah oh, bah, ok, t'y vas. Bah, tu peux mettre des plateformes pour l'or, les nitras là, s'il te plaît. Parfait. Pour l'autre, ça va être un peu chiant. Hop, j'ai l'œuf. Est-ce que je l'ai jeté en seul trou? Qui c'est que ce bordel? En tout cas, la direction artistique, elle est complètement stylée sur les monstres. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Ils me font penser limite à ceux d'Alien Swarm. Ah, je suis Douglas-y. Je sais pas si ça. Si y'en a qui s'en souviennent. Moi, ça me dit rien. Salut, Ramtou, ça va ou quoi? Pas sourire. Attends, c'est vrai que j'ai pas demandé ça. Comment a été votre semaine, mes chers amis? Dégueulasse. Riche en émotions. J'ai rien branlé. Ah ah, il y a un spectre énorme, dis donc. Non, en vrai, j'ai rien branlé pareil. Ah. Si, j'ai fait un gâteau de riz. Oh. Bah, incroyable. Franchement, vu ce que je cuisine, ouais. On va passer de pizza surgelée à gâteau de riz, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, bon, pizza surgelée. Les pizzas fraîches, quoi. Ouais, c'est ça. Les seaux des beaux. Le don des dieux. Ah, mais pizza surgelée, quoi. Mais ils sont pas surgelés. Ouais, c'est bon, hein, c'est pareil. C'est pas ouf bien. Non. Sur le spectre du goût, c'est bien meilleur. Ouais, enfin, ça reste des pizzas sur l'arc-en-ciel du goût. Sur l'arc-en-ciel du goût, c'est bien meilleur. Ah, arc-en-ciel LGBT, yes. D'ailleurs, l'offre tient toujours. 70€ pour que Spider mette le drapeau arc-en-ciel dans son nom, qui change sa bannière et sur Twitter pendant une semaine et qui mette I et IM dans son nom. Ça, c'est, ça, c'est encore en discussion, ça. Hein. Ah non, t'as dit que tu le ferais. Pour 70 balles. Ah, parce qu'il y a moyen que tu fasses moins pour moins cher. Bah oui. 50€ juste le drapeau. 50€ le drapeau, oh, vas-y, mais t'abuses aussi. Ah, bah, il y en a bien qui se font enculer. Ah non, ça va. Putain, la vache, ils sont du vachement bas, vachement vite. T'as vu ça? Une semaine, c'est que dalle. Mais ouais. Bah, un mois, 70 balles, ça va. Ah, là, on cause.
Mais après, t'es obligé de faire du roleplay LGBT, genre faut que tu like des trucs, que tu défendes des posts et tout, tu vois. Oh, c'est marrant. Non, t'as un ça drapeau, c'est... quoi. Ça, c'est marrant. Je vais perdre trois quarts de mes followers. Non, parce qu'on les connaît, les mecs. Ah bah quand ça brum pas... Je vais me faire des ennemis, hein. même parmi mes amis. Hein. Ouais, mais tu vas te faire des nouveaux amis, ça va être bien. T'aimes pas les nouvelles rencontres? Bon, faut voir les nouveaux amis, quoi. Ça va, trois quarts de followers, ça fait 5 mecs à tout péter. Quel enfant. Y'en a, ils rigolent pas trop fort. Hein. Ouais, t'as pas le droit de me vanner, moi j'ai rien dit, hein, donc... Au contraire, tu risques d'en gagner beaucoup, putain, c'est vrai. Bah ouais. Ouais, mais ils viendraient pas sur la méga-forge. Ah, ouais, tu sais pas. Ils qu'une fois, quoi. Ouais, voilà. Bah après ça dépend s'il fait un stream LGBT friendly. Tu dis ah oui. Oh, ah si par contre mais tu le fais sur quoi? Tu le fais sur quoi là? Mais tu t'en bats les couilles de faire sur quoi c'est sur Life is Strange mon gars. Oh, oh let's go. Ah mais là du coup par contre c'est pas 70 balles là. Bah pourquoi pas? Ah c'est plus mec. Hein. Non c'est 70 balles tout le roleplay pendant un mois, ça va. Mec franchement c'est intérêt d'être ils ont intérêt d'arriver rapidement et sur mon compte. Ou gone home, ouais, c'est vrai. Un stream pro LGBT sur la meuf, je te laisse le faire ensuite. Je viens de te Tony Soprano chez toi à coup de pique à glace. Est-ce que. Y'a pas. J'ai pas Tony Soprano. Là, là. J'ai pas Tony Soprano, mais par contre, les piques à glace, ça me parle. Ça veut la ramener sur le stream dans une semaine, la meuf est down. Mais... Non mais en plus il y avait un jeu justement où les protagonistes c'est ils étaient transgenres. Qui fait par Dontnod. Probablement un jeu de merde. Oh oui bah un jeu de merde. Ouais, Life is Strange. Non. Transgenre mec. T'as pas dit gay. C'est pareil non. Ça tu veux pas garder ton emploi toi. Le 2 y'a un transgenre, voilà. Mais c'est... Non, mais je te dis, le protagoniste principal, et ça avait été montré le 3. C'est pas Life is Strange 2, justement. Mais bah, non c'est... Oh, c'est un nouveau mais de toute façon, jeu. Les jeux de Dontnod, c'est de la merde. Voilà. Je peux pas parler là-dessus. Ah non, mais ils sont français, cocorico, hein, mais c'est de la merde. Non, mais c'est juste qu'on a un jeu chez Dontnod après, moi. Ah étonnant, hein. Bah, dis-moi plus. Spider, il sait, il l'a joué. Ah. C'est... Ah, oui, carrément, ouais. Ah. Aucune idée. Ah. Ah. Je... Surprise. Vampire. Non. Mais Vampire, j'y ai pas joué, moi. Qui c'est moi qui ai joué à Vampire. Ah, c'est toi qui y a joué. Et ouais, c'était de la grosse merde. Oh l'autre, il connaît même pas ceux avec qui il travaille. Oh nul. Oh, il est claqué, vampire. Ah oui, non mais... Après, enfin, travail. J'ai pas aimé, quoi, du coup. Il est cool, le vampire. Ah, j'ai pas du tout aimé. Hein. Bah, moi, j'y ai pas. On a des gens qui ont aimé, on a des gens qui ont pas aimé. Les gens qui ont aimé sont les fans de Dontnod, hein, après. Ouais, ça vaut ce que ça. Non, pas Yada. Tiens, c'est rigolo, c'est Edar qui gueule sur le jeu pendant 3 heures sans aucun fondement, juste parce que c'est Dontnod. Non, oh, j'ai cheaté au début, pour montrer que on c'était... On a dû te reprendre. Hein. C'était pour montrer. T'es comme un enfant. Ici, non mais truc, même là. Mis à part Dontnod et tout, moi le jeu il m'a saoulé, c'est juste ah pas... Ah non mais Russia le prend pas pour toi, je parle des gens qui ont vraiment aimé Vampire et qui le défendent corps et âme, c'est ce que j'appelle les fans de Dontnod, c'est des gens tu peux rien dire sur Life is Strange par exemple tu vois, parce qu'ils vont de Tony Soprano à pique à glace la nuit quoi, hein, pour reprendre ton expression. Non moi le déjà oui le fait que tu puisses cheater juste parce que les devs ils ont pas fixé un truc à la con. Bon, c'est pas forcément. Après, perso, tu vois, genre. C'est les pas. Les gens qui ont joué, ils ont pas vu le cheat. Hein. Non, mais c'est pas rédhibitoire, tu vois, je veux dire, c'est juste une critique comme ça, tu vois. Utilise des mots scientifiques ce soir. Mais. Ah, yes, c'est un event. C'est un détail, mais surtout le. Je sais pas, le gameplay et l'histoire, ça m'a vraiment saoulé. Moi. Enfin, ça m'a vraiment pas intéressé et je vais me battre les couilles. C'est froid. J'ai froid. Dans le sauna. Alors par contre, je dirais pas que David Cage j'ai un meilleur dev que Dontnod. J'irais pas jusque là quand même. Moi, parce que là, c'est pas mal quand même.
En soi, il y a plus de gameplay dans un jeu de David Cage que dans que comment dire dans les Fistrain. Bon, c'est vrai que Détroit, il était. C'est sûr. C'est pas si bon. Mais Détroit. Genre par exemple, ouais, en vrai, je pense, ouais. Après, bon, il y a plus de gameplay, ça tient en quelques secondes, quoi, mais. Merde, je sais plus que c'est quoi le jeu avec Ellen Page. Bah attends, il y a eu Heavy Rain, il y a eu Beyond Two Souls. Ah, c'est ça, Beyond Two Souls, Toujours pas fini d'ailleurs. Étonnant. J'ai censé le terminer en stream, mais j'ai plus de PS Plus, du coup, nique sa mère. J'arrête pas de ramasser des œufs depuis tout à l'heure. Je suis un gamer. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Ah, oh, au secours. Regardez, ils volent. Comme. Ouais. Ouais, je vois ce que mais tu non, ouais, dire. il a toujours le jeu, mais faut qu'il paye du PS Plus pour pouvoir y jouer, quoi. Bah, c'est mort, je peux l'acheter. Hein. Oh non, putain, il est chiant cet événement, c'est pas. Bah, c'est toi qui as voulu le faire, oh! Donc, tu serais prêt à payer pour Fallout 76, mais pas pour. ouais, par contre, c'est vrai que. Disons que. Au moins, il y a plus de gameplay dans Fallout 76 que dans. Que dans l'autre. Ouais, mais il y a littéralement beaucoup moins de fun dans. En 76 que dans. Bien tout seul. Franchement, je suis pas sûr, mec. Avec tous les bugs qu'il y a. Bah, moi, ça me ferait juste chier. Oui. Ah, je freeze. C'est marrant d'avoir des bugs dans des vrais jeux, quoi, mais. Quand le quand jeu. Ton jeu c'est un bug, quand le jeu c'est un bug, c'est bon, quoi, ça devise. C'est quoi la cursite là qu'il faut foutre? C'est. Tu vois, il y a des espèces d'araignées qui ont des trucs jaunes sur le cul. Genre ça là. Genre de poche. Ouais. Ah, ouais. Et en fait, faut les buter, ça fait tomber le truc jaune et faut le foutre à l'intérieur de la machine. Ah, je pensais que tu savais, moi, Hunter, je dis ça comme si tu savais, mais non, ouais. Dès qu'un jeu est offert sur le PS Plus, genre là, ce mois-ci, c'est Shadow of the Colossus, c'est ça? Le remaster? Ouais. Mais tu peux l'avoir, enfin, si t'as PS Plus, tu l'auras, tu vois, si tu l'installes. Et dès que t'auras plus ton abonnement, bah, le jeu il sera toujours dans ta bibliothèque, mais il sera plus accessible à la jouer. Je veux pas être médisant, hein, mais ça va être compliqué de faire les news là. Hein. Ouais. Il reste de quoi? C'est pas grave. Là. J'ai pas suivi, je suis en train de parler avec le chat. On est en train de buter des trucs jaunes. Ouais, bah. Avec le cul jaune, il faut ramasser leur cul pour aller le mettre dans la machine. Ah, oui, bah. Je les exécute. C'est de la location. Ouais, voilà, c'est plus ou moins de la location. Là. En charge. Franchement, Fallout 76, il y a moyen de t'amuser. Pas pour les bons motifs, mais il y a moyen. Non. Je ne donnerai pas d'argent à Todd pour son jeu de merde. C'est fini. Il va se faire enculer, et pour tous les prochains. Enfin bon. Déjà que je lui ai donné de l'argent pour Fallout 4 et que je m'en fous. Allez, l'enfant. Il est là. Je l'ai. Voilà, c'est ça. Après, les gens qui disent plus jamais. Le prochain TES, il va se faire enculer. Le prochain jeu dans l'espace, il va se faire enculer. Ah non, mais moi je dépense plus un dollar dedans. Hein. On verra quand on y sera. Hein. On verra quand il sera craqué. Voilà. Hein, pardon. Je ne fais pas ça non plus. Voyons. Que des choses légales ici. Si les bon. Free to play, je le DL de ouf. Ah oui, non, mais pareil. Du coup, on est à 4 sur 6 œufs. Il y en avait. Même gratuit, je le prends pas. Ah si. Non, voilà, gratuit. Gratuit, je le prends pas, moi, 76. En vrai, non. Je pense que je le prends pour me marrer. Je dis tout le temps, c'est mieux quand c'est gratuit, tu mais là avec ta tyrolienne ou quoi? Attends. J'ai une plateforme en dessous. Hein. Bah non, la tyrolienne, elle... Attends, faut que je... Attends, je vais monter. Non, pas la tyrolienne, le truc de... Non, attends, je vais monter. Viens, B4. Attends, j'ai pas compris. Il y a quoi, c'est marré, c'est pas 76. Ok, gros, chômard. Ah, mais j'ai plus de munitions aussi. Je ne fais pas du mime. Ah, mais tranquille. Je ne fais pas dans le spectacle silencieux. Attends, quoi, pourquoi ce marré est Marx, sur moi? C'est réussi, il fait des analogies cheloues. Je comprends pas. Ah putain, encore! Il vient juste de sortir d'une putain de vague!
Ah mais j'ai plus de munitions. Bah appelle un truc. Ouais ouais c'est marrant, c'est pas marrant. Même à plusieurs, je vois pas ça arriver. Franchement aussi. Oh non, mais c'est encore les trucs électriques de merde. Oh le con. Je suis en train de geler. Tu peux te marrer dessus, tu vas pas te marrer parce que le jeu est bien, parce que c'est de la merde. Oui, non, mais. Enfin. Taper un handicapé, c'est pareil, tu vois, mais c'est pas pour ça que je vais le faire. Après, c'est pas spécialement marrant de frapper les handicapés, y'a là. Oh. Tu sais pas, ça se trouve, c'est super rigolo. Bah, moi, je l'ai fait, mais. C'est pas si marrant. Ça m'étonne même pas, tu sais. Mais c'était il y a longtemps, j'étais gamin. Ouais, bah, enfin. C'est la même défense que. Et Fallout 76, t'as 22 ans quand même, hein. Non, mais en vrai, comment dire, si je pouvais l'essayer juste pour voir à quel point il est niqué, moi ça me. Je pense que je rigolerais dessus, quoi. Moi je suis pas un journaliste d'investigation, mec. Non, là, Élise Lucet, elle travaille tout seul, hein. Mais c'est quoi ces références que t'as ce soir, mec? Tu veux me laisser un chargement? Non, d'accord, je vais me faire niquer. Excuse-moi d'être cultivé. C'est pas grave, je vais rappeler. Mais y'en a un où là? Ah, bah y'en aura un autre. Moi je prends. Au moins, faire Fallout 76, j'ai quand même l'impression d'être fait enculer. Voilà, par exemple, tu vois. Il me manque un œuf et je prends. Prends exemple sur Kayabuya. Étage sur le plafond. Ouais, je montre mes grosses cultures là. Ah, bave un peu. N'hésite pas à utiliser ton pistolet contre des ennemis qui sont hyper loin. Ouais, il est là. C'est pas un genre de petit fusil à pompe, mon pistolet? Non, toi ton pistolet c'est un sniper. Enfin, il est ultra précis. C'est un magnum quoi. Ah, ouais. Ok. D'accord. Il est ultra puissant et ultra précis. Donc, je note. Pour les mono-cibles, c'est pratique. Je note. Mono-cible. Faut que je t'en mette une là? Attends, on va attendre que la trousse se calme. Vas-y. Et en fait, le dernier œuf il est là. Non, parce qu'on se le répète pas assez souvent. C'est bon, mais là les dernières news, ça. C'est que quand même, ouais. le prochain Skyrim, il sera sur le moteur du dernier, hein, et c'est pas ouf. Et je crois que pareil pour leur jeu dans l'espace de merde. Ouais, voilà, enfin. Donc, bon. Après, d'un côté, tu limites. Je sens qu'il pourra quand même être un peu plus entraînant que Outer Worlds. Hein. Parce que putain, comment je me suis emmerdé sur Outer Worlds. Non, j'aime bien Outer Worlds. C'est Bayer qui défend Bethesda. Ah non, mais je défends pas, ils font de la merde, mais. Bah, c'est tout le point bas. Bien de la merde, hein. Bah, je trouve pas. C'est super bien écrit, c'est très marrant, le gameplay il est super simple. Plus la merde le gameplay, mec. Mais pas du tout. C'est marrant. Mais pas du tout. Si. Mais quel non. Mais dis-moi en quoi il pue la merde. Parce que t'as juste dit qu'il pue la merde, donc c'était pas mieux. Il est mou, il a aucun punch, les armes ont aucun feeling. Les armes de corps à corps, t'as l'impression de taper avec des bâtons. T'entends pas des bâtons, mais. Mais non, je suis pas d'accord, le marteau complètement ouf là, quand tu tapes et que tu changes de forme, c'est super, tu le ressens vraiment bien. Quand tu tires au laser et que ça crame, tu le sens quand même. Non, c'est pas. Alors, certes, c'est pas. Comme en vrai, mais. Comme New Vegas, le 3 que t'aimes beaucoup. Non, mais New Vegas, et Fallout 3, je les aime bien. Mais dans le gameplay, ils ont vieilli, ça, je me le cache pas, tu vois. Ils sont même dégueulasses à jouer. Mais par contre, tu vois, tu peux pas dire, genre, un jeu en 2019, il fait. Oh, bah, il a un gameplay d'un jeu de 2010, tu peux pas dire. Voire 2010, 2008. C'est ce que tu peux j'ai pas faire. Dire que ça vaut le coup, quoi. Bah après dans le style du jeu, enfin, ils ont quand même mis. C'est pour ça qu'on s'en branle du contexte de l'année, parce que n'importe quelle année, le gameplay il changera pas forcément. Bah ouais, bah du coup alors le gameplay de Fallout New Vegas et de Fallout 3 il pue la merde aussi, hein, donc. Bah oui, mais personne ne dit quoi. Bah oui, mais du coup pour Outer Worlds il pue la merde aussi, quoi. Bah non, parce que ça dépend comment tu l'adaptes à ton jeu. Au mode tu nous creuses un trou. Où ça? Et ouais, The Outer Worlds. Vers le drop pod. La grosse ouais, c'est loin, mais écoute. Oh, oui, c'est les trouées de partout en fait.
Pourquoi tu détestes Outer Worlds et pas Fallout 3 si c'est le défaut, le gameplay? Non, il y a aussi l'univers. L'univers, je l'ai pas trouvé marrant, quoi. Voilà, enfin, moi l'univers, je trouve, enfin vraiment, je me marre, genre je rigole, ça me fait légit rigoler, j'aime beaucoup. Le truc, c'est que par exemple, quand t'arrives sur la map de The Outer Worlds, je m'attendais à un truc, comment dire, vraiment assez grand et tout, je m'attendais peut-être un petit peu à trop, mais quand t'arrives, la map elle est vide, t'as 2-3 endroits à explorer, et puis voilà, en fait, t'as ta ville principale qui est dégueulasse, t'as l'impression qu'il n'y a aucune vie dedans, et je trouve que l'ambiance me plaît pas du tout. Ah, après, c'est juste que ça te plaît pas, quoi, parce que au niveau du vide, pas du tout. Alors forcément, t'as pas des planètes entières à visiter, mais c'est normal, c'est trop compliqué à faire, enfin trop compliqué et trop long surtout. Et les maps qu'ils te proposent, les deux premières maps, elles sont ni trop grandes ni trop petites, c'est vraiment pour te mettre dans le bain. J'ai pas du tout vers le j'ai pas du tout vers le vide. Derrière toi, le drop pas du tout. Ouais, pareil au loin. Et dès que tu vas sur la troisième map, enfin la quatrième, parce que la troisième c'est le vaisseau, dès que tu vas sur la quatrième map, déjà là, tu rentres bien dans le truc. Et, même la troisième map, elle est déjà un peu plus grande et un peu plus profonde. Mais si tu dois attendre 3 ou 4 maps, 4 maps c'est 10 heures de gameplay, pas plus. Ouais, mais. 10 heures de gameplay, c'est rien. Mais c'est chiant, si je m'amuse pas pendant les 10 premières heures, enfin non mais après tu vas voir, ça va s'améliorer, non, c'est... Si le jeu il m'approche pas des va débuts... Va dire ça aux jeux qui ont merde. Parce que je dis 10 heures, mais la première map, tu vois, c'est vraiment pour montrer... parce que la première map c'est la première map elle manque pas grand chose justement. Bah si justement, t'as une ville où tu peux commencer déjà à faire des vrais choix. T'as les alentours où t'as quand même des trucs, c'est pas vide. C'est pas vide mec. Alors c'est des maps, c'est un monde, une map. Donc forcément oui, si tu te le dis comme ça tu fais ah ouais pas ouf. Bah si t'arrives sur le jeu, c'est quand même bien rempli quoi. Après qu'on dit que tu dois attendre 10 heures, c'est comme si tu te disais, si tu dis Devil May Cry, non mais attends, Devil May Cry ça devient sympa quand t'as toutes les armes. Non mais je dis 10 heures, c'est parce que moi j'ai fait le mode le plus compliqué, du coup c'est plus long, mais en normal, tu galères pas du tout en plus j'imagine, donc vas-y, en 5 heures tu dois être déjà à la map 4, donc... Même 5 heures, c'est trop. Oui, non, mais je peux pas dire combien de temps exactement, mec. J'ai pas joué en jeu normalement, donc. Mais je te dis que juste dès que tu passes la map d'intro, bah, il y a déjà plus au niveau des dialogues, au niveau du monde qu'il y a dedans, au niveau des monstres qu'il y a dedans. Déjà, ça change quoi. Ouais, lui, il a arrêté direct parce que ça l'a gonflé, tu vois, juste parce qu'il aime pas. Non, c'est juste. Comment dire? La narrative que je trouvais un peu chanceante, bah c'est surtout qu'en fait à l'époque, genre quand Fallout 3 est sorti, je l'ai beaucoup aimé. Mais oui, je me rends compte que ça, moi j'aime bien le jeu. C'était un des premiers FPS un des premiers FPS RPG que je jouais. Et c'est surtout que les seuls autres jeux que j'avais fait, entre guillemets, qui étaient RPG dans ce genre-là, c'était Oblivion. Et du coup, moi je fais ah putain, ouais, c'est sympa. Maintenant, ouais, ils ont vachement vieilli. Le problème, c'est que du coup, The Outer Worlds, c'est un peu comme s'ils disaient, vous vous souvenez comme c'était à l'époque, vous vous amusiez bien. Et sauf qu'il y a eu mieux depuis, quoi. Bah, je trouve pas. Pas dans ce genre-là précis, en gros jeu comme ça, vu FPS. Enfin, il ne m'a pas plu. Bravo l'ambiance de merde, hein, bravo, super. Super. C'est toi avec ton Karl Marx, la Russienne, t'es fier de toi? Salut Alex, ça veut quoi? Bonsoir. Et Nomo, qu'est-ce qu'il en pense? En tout cas, rien que pour... J'ai pas joué, donc je joue. Après, j'accorde peut-être un petit peu plus le bénéfice du doute que d'habitude, mais c'est parce que l'écriture, elle m'a vraiment pas chamboulé, tu vois, mais j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des jeux bien écrits comme ça, marrants, que bah d'en avoir un, bah ça fait quand même super plaisir, quoi. Voilà.
Comment ça bastonne? Ben ça bastonne pas mal. On envahit des mines et on détruit des infrastructures. Et aussi la flore et la faune. Un peu donc il n'y a pas tiré sur les gros trucs. Ah si, ça fait des... Non. Je croyais que ça faisait des piliers de glace, mais non. Non, non. Il n'y a pas des trucs comme ça, genre quand tu tires dessus, ça fait des piliers de glace? Non, c'est dans un autre biome où quand tu tires dessus... Ah non, c'est dans le truc de glace, justement. Oh, d'accord, putain, je suis mort. C'était c'est génial. J'ai vu un truc vert, je fais... Ah, ça mine. C'est marrant. Il y a un truc qui tombe, là. Ah, mais je peux... Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire maintenant. C'est vraiment de la merde. Après, est-ce que ça vient du jeu? Oui. Il a mal expliqué. Oh non, pour encore du froid, non. Ah bah si. Non, ça va, les engelures, ça soigne. Oh non, putain. Tu mets de la Nivea? Exact. Tu mets du baume à lèvres. Sur tes pieds, ouais. Après, si ça marche, on se plaint pas. Hein. Je sais pas, j'ai jamais essayé. T'as déjà mis du baume à lèvres sur tes pieds, peut-être? À chaque fois que je vais au sport d'hiver. Je suis jamais allé au sport d'hiver. Voilà. Oh, voilà, du là. Coup. Il y a Yadar, la mission elle change un peu, il faut que tu qu'on récupère des aquarks et qu'on les mette justement dans la tête à miner là. D'accord. Tu mets du baume à pied sur tes lèvres et bah ta gueule du coup. Et les aquarks c'est les trucs qui sont là dans les petits trucs bleus là. Ah. Faut niquer tous les trucs de glace là avant qu'on se les pète dessus. Avant que tu exploses sur les copains plutôt. C'est pas moi qui ai la minigun. Bah t'as un fusil à pompe quoi. Enfin ça tire moins... Ça tire moins... Moins là... Ça explose moins large quand même. Oui oui. Oui oui. Oui oui. Putain mais... Cassez-vous. Robot. Ah on a pas de robot putain. Non il faut que t'ailles jusqu'à la tête. Ah c'est marrant ça. Loin. J'ai fait du petit bruit. Quel petit bruit? Je sais pas, j'entends un petit bruit. C'est pas ton chat? Mais dans mon casque. Ah, peut-être, on sait jamais. Mon chat. Dans mon casque. J'ai la dalle. Oh. Et bien mange. Ça va être complexe. Si je veux me faire voir des pattes avec un cordon bleu, poteau, là, il va falloir attendre un peu. Hein. Mais moi, j'ai faim, je me plains pas. Mais t'as mangé toi? Bah j'ai mangé un petit bol de... Un petit bol de banane avec du fromage blanc et un peu de Quakers quoi. Putain en plus il parle anglais. Elle me saoule pas, commence pas. Hein. Dans 2 minutes on en a au fromage. J'ai mangé du Quakers. Sombre merde va. Avec un petit peu de cheddar. De cheddar. Ah, les Québécois ils vont se calmer. Là. J'en peux plus. C'est quoi ça, de la magnite? Et du coup, c'est où que tu l'as entendu, Spider, le petit bruit? Ça fait un moment en fait. Hein, donc, Normalement, on le voit à travers la glace, non? Ah bah. Il brille. Pire. Il y a un autre event comme tout à l'heure. Hein. Ouais. Oh non. Non, non, mais c'est un coffre, juste. Il faut juste trouver les batteries là. C'est ça le petit bruit que t'entendais, et c'est pour ça que je voulais savoir où c'était. Mais du coup, j'ai trouvé aussi. Disgusting! Oh, ça a l'air gigantesque la map! C'est le perso qui gueule. Bah, le problème, c'est que ça a l'air profond, et s'il faut faire des allers-retours pour choper les trucs, ça va être complexe. Bah, en fait, c'est là où Yadar il est vachement utile avec ses ziplines parce qu'il peut en poser partout pour aller directement vers la base. Vous êtes parti où? Je suis à la recherche de trucs là. Vise des endroits random et mets des ziplines. C'est ce que je fais. Forcément. Mais je sais pas si je le fais dans le bon sens, enfin dans du bon côté de là où vous êtes parti. De toute façon, on peut les prendre à l'endroit ou à l'envers. Donc Non, mais l'idée c'est que t'en mettes aux 4 coins de la tête de minage en fait. Que tu les mettes pas tous l'un à côté de l'autre, ça n'a pas de sens. Non, mais j'étais en train d'explorer aussi en même temps si tu veux. Oh la putain de Saras. C'est vous. Ouais. Ah bah, d'ailleurs, question pour le chat. Attention. Oh là là, attention, il y a une question pour le chat. Real talk here. Real talk. Oui. Le Saint-Moray, sans le thon. C'est dégueulasse. Comme fromage, c'est ok tier ou c'est. Bah, c'est... Non, c'est dégueu.
C'est du fromage à salade, quoi. C'est genre, tu es obligé de le mettre avec autre chose. Quand tu parles de Saint-Mauré, le Philadelphia, ça rentre dedans. C'est top tier en accompagnement, mais tout seul, c'est dégueu. Non, mais juste... Je sais pas, franchement, ça passe, hein, c'est du fromage à tartiner, quoi. Non, parce que... C'est moral, mais tout seul, c'est pas ouf. Le fromage à tartiner, voilà. c'est super bon, avec tu étales sur un petit bout de pain et ça passe, tu vois. Ouais, voilà. Non. Bah, quand tu veux juste manger... Merde, du fromage pas trop... genre, taper un roquefort en dessous du camembert, tu vois. Genre, c'est mais plutôt... Mais pourquoi tu voudrais pas? Ouais, c'est après, c'est une question valide. Parce que j'en ai marre. Comme ça, t'en as marre? Comment ça? De mon gros bide. Du coup, je vais un petit peu moins de fromage. Voilà. Ça a rien à voir. Ça. Bah, si, parce que. T'as changé, voilà. T'as changé, hein. Non, mais après, je peux toujours enculer un camembert, tu vois, genre entier. C'est... Là, ça me pose plus de problème, tu vois. Mon estomac, il est ready, il est prêt, tu vois. Il calera pas. Oh, putain, elle est où la deuxième batterie là? C'est mort. Mais c'est juste que... T'as vu d'ailleurs qu'il y avait deux aquards juste à côté de la batterie, hein. Ouais, je sais, mais... Mais juste que non, le genre le Philadelphia ou le truc comme ça, c'est bon. Étalé sur un petit bout de pain, tu vois, ça... J'ai testé une fois le Samoa sur du pain, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Bah, ça, franchement, ça passe bien. Attends, c'est du comme, coup, je l'ai mis où, c'est bien. Comme bouffer du kiri, quoi, si tu veux, c'est autant pas manger de fromage, tu vois. Ouais, voilà. Oh, c'est pas le même, quand même. Ouais, c'est quand même un peu plus meilleur. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est... Attends, t'as les deux? Parce qu'il y en avait deux. Ah oui, c'est... Ouais, j'ai attends, lancé de l'autre côté. Vas-y. T'as trouvé c'est... l'autre batterie? Non, toujours pas. Yadar, tu peux envoyer un truc vers nous là, s'il te plaît? Vous êtes où? La mère Loïc, par contre, j'ai jamais goûté, ah, ça me dirait. J'entends la deuxième batterie, elle doit pas être loin. Ah, mais j'en ai mis. Attends, je vais en mettre aux quatre coins. Spider, il kiffe quand c'est pas ouf comme Fallout 3. Là, tu vas avoir des problèmes. Non, mais en fait, de là où on est, vers la base directement en fait. Mais non, mais vous êtes ouest, vous êtes. Dis-moi la position. Mais là où il y a Momo qui est en train de tirer. Ah, mais j'en ai mis, Scoot, c'est toi, mais j'en ai mis là-bas. Mais par contre, c'est quoi cette histoire de babybel fondu? Quoi? Ça, c'est un truc de chétan encore. Ça, c'est déjà le babybel de base, tu sais. C'est bon quand t'as 10 ans. C'est Arcana, il dit ça donc. Est-ce qu'on va le prendre au mot? Bah, il paraît que c'est bon, moi j'ai jamais goûté, mais c'est pareil, j'ai déjà entendu des gens dire que c'était sympa le babybel fondu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche le deuxième truc ou quoi? Oh, après, ouais, elle est juste là, elle doit être là-haut. Ça reste du fromage fondu, donc bon, à partir de là. Je l'entends. Voilà. C'est quoi la mère Loïc? C'est le Dark Souls du fromage de tartiné. Poto, fais attention. Ça fait quoi si je maintiens la fusée? Non, maintiens pas. Elle est là. Où ça? J'ai. C'est super bon la mère Loïc, c'est un peu comme du boursin attaque, quoi. Ok, je connaissais pas non plus. Après, franchement, le boursin ça va quand même. Oh, c'est genre, bon. C'est où déjà? Le boursin j'aime bien. Mais. C'est délicieux le boursin. Le boursin c'est bon. Moi j'aime pas, je suis pas non, fan non, des par contre, tu fromages à tartiner à Aïe Fines Herbes. Tu peux pas dire que c'est écœurant le Babybel à part si t'es un gros porc et que tu bouffes un paquet de Babybel entier, quoi. Et puis ça a pas de goût. Parce que un Babybel, mec, t'inquiète pas que collège, après, lycée après, et futur, je les encule. Hein. Un Babybel ça suffit pas. Non, un Babybel fois 6. C'était les mecs qui se font, comment dire, oh, en fin de repas. Ça y est, c'est ouvert. Bah du coup si le babybel c'est écœurant... Non mais on part du principe que t'en manges genre un ou deux, tu vois, comme un humain normal. Et deux, non, c'est pas écœurant, t'en manges deux, c'est tranquille, tu vois. Dans ton sandwich. Franchement, les gens ils font, tiens, je vais prendre juste un babybel. Oui, mais oui, mais je sais, Russian, je sais. Mais c'est pareil, si tu manges un pot de boursin entier, c'est écœurant à la fin. Non. Excuse-moi, Diogène de Sinop. Les gars, le coffre il est ouvert. Plaît-il? Tu peux le pointer? Il est là. Oh, non mais c'est où là? Ah là. Bah le temps que je le pointe en fait, donne-moi deux secondes. Non. Ah merde. Un, deux. Tu peux mettre une tyrolienne s'il te plaît, j'en ai plus. Putain, tu bah non, je peux pas mettre de tyrolienne. Y'a que toi qui peux en mettre, hein. Mais pourquoi tout à l'heure on m'a fait chier? Oui, c'est pas pour toi les tyroliennes. Ça veut dire quoi, A7? Je sais pas. J'ai rigolé mais je sais pas. Je fais pareil. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait aïe. C'est comme Lodi. Comme Lodi. Je peux pas le ban.
Ah, sa merde. Ah, mais putain, je suis aussi con. Non, c'est bon, je suis intelligent, moi. Ça va, je suis moins con que lui. Personne qui s'impose par piété, des exercices de pénitence, des privations et des mortifications. D'accord, là j'ai. Garde à vous. Pas trop du cul. J'ai pas compris la ref avec le trou du cul, Momo, mais let's go. Un mec qui s'auto-inflige des saloperies, c'est un trou du cul. Oui, bah oui, c'est pour ça que moi je me suis acheté un bon petit comté. Délicieux. Voilà. Oh non, c'est de quoi, c'est pas mal comté, peut-être. Non, mais pas ça. On peut. Attends, oh putain, on a pas de truc pour appeler une capsule. Si. Si, c'est bon, j'en avais lu. Je peux juste pas la mettre sur la. Ah, oui, non, bah oui, du coup, Bouddha, c'est un assass, ouais, c'est un 4G. Je vais maintenant. Elle arrivera là. C'est quoi cette merde là? Pourquoi elle a un cerveau sur le cul? C'est complètement stylé, hein. J'aime vraiment beaucoup. C'est un truc qui buff, ça donne plein de vie et plein de dégâts aux bestioles autour. Hein. C'est une saloperie à tuer. Paul Bocuse, c'est un asset de table. Bon, vas-y, elle est morte. Il est mort, mais c'est... elle est morte. Oh, il est mort, Paul Bocuse. Je suis pas fou. Ouais, il me semble. Perso, je m'en branle. Hein. Je comprends pas. Je m'en branle pas, mais il me semble qu'il est mort, ouais. Enfin, personnellement, il m'a pas fait de bon clip là, donc bon... Oui, bah personnellement, tu vas pas manger dans des restaurants 3 étoiles plus. Eh ben, figure-toi. Ok, monsieur. Mais vas-y, elle était rigolote en tout cas. En vrai, je sais pas si ça me plairait, les restos... Merde. Comment ça s'appelle, merde? Je trouve plus le nom exact. Gastronomique, ouais. Oh, si, carrément. Je pense pas. Tu vas pas pour. Voilà. Alors, ça va faire un choc, hein, attention, mais tu vas pas pour manger. Bah, c'est ça le problème. Tu vas pour déguster ouais. un plat qui va t'enculer les papilles. Alors. Ouais. Qu'une poutiflette. Ouais, voilà. Ah, ça t'encule les papilles, ça t'encule le bide, et après, tu dors bien. D'ailleurs, en parlant de resto, faut que je trouve un bon resto sur Paname là pour. Les trois brasseurs, c'est une chaîne de restaurants plutôt pratique. Quand ton père c'est un pasteur, c'est un asset à la maison. Ça c'était bien ça. Ça non, si celle-là, si celle-là elle est morte. Et alors, c'est rigolo. Non. Je crois que ça doit faire des années que je l'ai pas vu à la télé, mec. Ça existe en plus. J'ai oublié l'existence de cette série. Genre, ouais, ça passe plus à la télé. Non. Est-ce que c'est aussi une subtile ref au film de Shyamalan? Celui où il y a les... Ouais. Ah, je demande, on sait jamais. Voilà. Bon, enfin après, par rapport au beat que t'as fait il y a une heure et demie, s'il te plaît, il y a du niveau. Bon, hein. Bah on va peut-être prendre le drop pod maintenant, non? Mmh. Bah, je suis en route, moi j'y suis. Ah oui, on peut suivre. Il a fait un trou ou pas? Non. Ah ok, moi c'est bon, j'y suis. C'est vrai, j'ai vu qu'il y a l'extraction. Je y viens. Ouais, je pensais que l'extraction nous arrivait dessus en fait, donc Non. C'est quoi qui me tape, ta mère? Il y a plein de trucs derrière vous en fait. Ah mais il passe à travers les murs. Oui bon, ah, ça on reviendra. De toute façon, hein. Tu peux pas prendre de dégâts quand t'es à l'intérieur de l'extract. Ouais bah écoute, nickel. Hop, c'est bon. Ah, finito le ravelito. Bon. Dire que je me suis levé ce matin à 10h pour les Wiperus. J'y suis même pas allé. Oh mec, je suis vraiment pas étonné. Mec, je me suis couché à 5h du mat. Je me mourrais, je fais ah, faut que j'y aille. Et au final, il fait ouais, non, et du coup, vu qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire ce soir, j'ai fait ah, faut pas que je dorme tout ça. Oh. Ouais, sinon tu serais déjà encore en train de dormir là. Et j'ai pas fait ma sieste digestive. Et voilà. Tu vas pouvoir faire une vraie nuit de sommeil. C'est fou ça, c'est totalement fou. Pourquoi tu te lèves à 5h du mat pour 10h? Mais il est con. Mais non, mais il s'est pas couché, Papy Hunter, c'est ça le truc. Mais si, je me suis couché, je me suis endormi. Non, mais oui, à 5h quoi. Voilà. Mais il s'est pas couché avant 5h. Après, sieste digestive avec des épinards et du blanc de poulet dans le bide, mon gars. Bah, c'est délicieux. C'est délicieux, certes, mais par contre, tu le gardes sur le bide un peu.
Tu dors combien d'heures par jour? Beaucoup. En vrai, dans les journées... pas assez. Dans les journées normales, entre guillemets, genre... si j'ai... Limite, il me faut, comment dire, entre 6 et 7 heures de sommeil la nuit. Et... Normalement, ensuite, ben, je tiens jusqu'à 1h, 2h du mat. On va faire une mission qui change un peu de ce qu'on a fait. Bah, du coup, ce sera la dernière mission. Ouais, bah, puis comme ça, vous voyez le dernier type de mission qui existe. Ah, nice. Donc, en vrai, si j'ai de quoi m'occuper, comment dire, 7 heures par. Normalement, genre 6 à 7 heures. Bah, la nuit, quoi. Mais si je me fais chier, j'ai rien à branler. Oui, je dors toute la journée. En vrai, MTV. C'est tout. Let's go, la mission. Alors que moi, ça doit faire un mois, je tourne à 6 heures de sommeil. C'est pas assez. Non, c'est clairement pas assez. C'est quoi qu'il disait, normalement, c'est 8 heures de sommeil qu'il faut par nuit? Non, entre 7 et 8. Si, c'est 8, en vrai. 7 et 8. Non, 6 et 8. Vraiment, c'est 6 et 8. 7 et 8. Non, 6 et 8. Il y en a, tu peux c'est vraiment... C'est une question de point de vue, hein. Non, mais t'es pas obligé de... Enfin, 6 heures, c'est... Quand tu dors bien, c'est suffisant, hein. Ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que c'est entre 6 non, et 8. Non, mais les gens, ils sont gentils, mais c'est entre 7 et 8. Mais laissez-moi dormir, 7 heures, 8 heures. Non, 8 heures. Non, 10 heures, c'est trop. Genre, non, mais 8 heures, c'est la... Qu'on... Selon les médecins et tout, je crois que c'est ce qu'il faudrait. C'est entre 7 et 8. On va dire 8, c'est bon, casse pas les couilles. Oui, Harry Ozemak. On est à 6 heures. Quand je dors 7h30, je suis super bien, du gars. Ouais, voilà. Par contre, au bout de 10 heures de sommeil, franchement, quand je me lève, je suis... Ouais, non, je suis éclaté. Donc, faut extraire de l'holobite et tuer des cuirassiers. Oh. Ouais. Si tu veux aller chercher là-bas. Ouais, moi aussi, mon cycle de sommeil, en ce moment, il est niqué de la tête. Ouais, pareil. Et ça me casse les couilles. Je crois que le truc qui me fait le plus mal... C'est quand il doit être à peu près de 3-4 heures du mat, que tu fous ton réveil et que tu vois 5h30 de sommeil, ça fait chier sur le réveil. Ah bah non, moi du coup j'utilise une petite appli pour pioncer. Du coup j'ai pas ça. Ah, qui balance des champs de mouettes et tout là. Ouais. Des champs grégoriens. Ah, bah mec, je me. C'est le thème d'Halo quand tu dors. Oh, en vrai c'est trop bien. Mais non, mais genre, bon là ça change pas depuis longtemps, mais là j'ai la pluie, tu vois, genre tranquille. Petite pluie pépère. Et puis le matin, je m'arrive avec les oiseaux. Voilà. Ah, il y a encore des tentacules. Des séries audio pour penser. Je vais vous donner un secret de grand-mère qui marche depuis que je suis au collège. Ouais, vas-y, fonce. C'est là que je le connais, ouais. Hein? Je crois que je sais de quoi tu vas parler, donc vas-y, fonce. Non, pas la branle à toi. Non, mais je pensais pas à ça. C'est foutre des let's play. Des let's play, mais commentés, mais pas avec des mecs qui bug. Donc aucune de nos VOD. Oh, si, quand même. Tu sais que moi, justement, je m'endors avec les rediffs. Hein. Si. Pas les tiennes, Spider. Oui, mais... pas les tiennes, mais genre, certaines, tu vois, c'est tranquille. Par contre, genre, ça doit être chaud, mec, mais... de t'endormir avec tes propres rediffs. Ah non, c'est chelou, ça. Mais ça, ouais, c'est chétan, d'accord. Le problème, ouais. Russian, c'est que c'est pareil, tu vois, l'appli, elle est bien, mais c'est qu'elle elle est payante pour débloquer les trucs vraiment intéressants, et du coup, flemme. J'écoute du dark ambient pour dormir, c'est quoi cette merde? Mais après, c'est juste à titre d'information, tu vois, genre, tu vois le temps que t'as dormi... Quand est-ce que t'es en sommeil Ah, c'est l'appli qui enregistre quand tu pètes dans... Non, pas celle-là, c'est une autre, moi, que j'utilise. C'est pas ça que ça sert, normalement. Et c'est une autre appli que moi, j'utilise, c'est Sleep Cycle. Tu vois, vois à quelle heure tu te couches en général, le nombre d'heures que tu dors, quand est-ce que t'es en sommeil profond, léger ou réveillé, tu vois, oui. Et avec la courbe des heures et tout, enfin, c'est stylé, tu vois. Et non, malheureusement. Attends, ils sont super loin, Spider, rejoins-nous. Malheureusement, c'est lock, t'as plein de trucs bien lock derrière le paywall. Bon bah du coup je pleure un petit peu mais ouh là 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 là. On défonce un boss donc Dormir avec Arte franchement ouais t'es bien. Ça... Ah ouais, non bah, moi aussi avant tu vois avant l'appli Ah putain vous avez libéré le boss avant qu'on soit là. C'est pas moi c'est pas moi.
Avant, moi, je m'endormais sur rien du tout. Genre, vraiment, le noir complet et le vide de son. Mais maintenant, avec l'appli, tu vois, parce que... Sachant vous que vous êtes... Juste avant, vous êtes vous êtes là. J'ai pu pas faire. Appuyez sur X. C'est fait. Ok, ok, je vous vois. Voilà. C'est quoi, j'aime bien remater nos rediffs, mais... Jamais vraiment entièrement du début jusqu'à la fin. Ah, vous êtes... Ok, d'accord, donc c'est chaud. Mais ouais, super... Ah putain, ouais, bah... il fait super mal, il faut lui défoncer, ce cul, lui c'est fait. Défoncer son cocon. C'est fait. Le problème c'est que c'est pas et après... passer, là. Oh bah... Ah non mais il one shot en fait. Mais je crois que je suis trop à la map en fait là. Eh je sais pas où vous êtes donc Enfin ouais. Je vous vois mort en dessous mais Ah non mais c'était bugué. Je sais pas où vous êtes passé. Mais ouais tu vois, genre la première fois c'était une meuf qui lisait un petit livre avec des chants de grillons je crois. Et c'était pépère de ouf avec une petite musique. Et pour s'endormir, mec, c'est parfait. C'est ni trop ni pas assez, quoi. Par où vous êtes passé, putain? Par là? Je crois. Attends. Ah, vous avez dû passer par en dessous. Ouais. Sauf que j'ai pas vraiment fait gaffe. Comment ça, le mesure? Tu dois avoir un gigacet pour mesurer. Non, t'as besoin de gigacet pour mesurer ton sommeil. Je vois pas du tout par où vous êtes passé. Et la map, elle me dit... Quand tu poses ton shield... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais un shield. Je prends encore l'habitude de toutes mes perks. Putain. Oui. Le problème, c'est que... Tu peux pas relancer la mission au pire? Non. Si, peut-être. Faut que je crève. Faudrait abort pour la relancer, ouais. Mais tu fais comment? Vas-y. On va recommencer quand même une petite dernière fois et puis faut vraiment qu'on reste côte à côte. Et puis éviter de starter un boss quand on n'est pas prêt quoi, parce que ça demande de la prépa. Ouais mais ils disent pas que c'est un boss aussi. Mais oui mais on était là en train de discuter. Ah oui mais moi je vois un gros truc rouge, je me dis bah il y a peut-être un truc dedans. Ah mais c'est toi. Ah oui du coup disons c'est un boss, c'est incroyable. Ouais mais bon. Incroyable. Tu pouvais être des minerais aussi on sait. Mais généralement le truc qui m'endort c'est les vidéos de Northern Lion. Ouais mais... Parce qu'il il passe 5 heures sur Binding of Isaac quasiment avec le son très bas donc... Cet homme est fou. C'est les rediffs, ouais, pas les rediffs, mais les let's play de genre Silent Hunter, mec, sans dormir, c'est direct. Ah putain, j'ai pas assez de trucs blancs, je sais pas ce que c'est. De la perle. Je sais même pas où on choque, mec. La plage. Tu l'as pas encore débloqué. Kek. Et bah, du coup, c'était les let's play de Northern Lion, ceux des comment dire, les vieilles vidéos des Super Best Friends et les rediffs de MV. C'est en fait, genre, j'aime bien les suivre, mais en même temps, c'est plutôt calme donc. J'aime bien. Mon PC commence à avoir du mal, il a chaud le pauvre. Par contre, m'endormir. Oh si, moi c'est beaucoup trop facile. Genre tu te mets dans ton lit, t'as bien mangé parce que du coup je regarde les séries après avoir bouffé ou en bouffant. Du coup t'es là, t'as bien bouffé, t'es rempli, tu te mets dans ton lit. T'as un épisode, tu fais ok, celui-là ça passe. Le deuxième déjà tu fais oh merde j'ai les yeux qui se ferment tout seul. Et après tu t'endors. Ouais mais enfin je peux tu vois, mais genre ça me saoule en fait. Ah ouais, mais moi je suis pas le truc. Le seul fois où c'était comment dire que ça m'arrive, c'était avec Alter Carbon. Je m'étais endormi devant et ça me faisait chier parce que tu sais, genre il parlait en anglais et du coup je me concentrais pour suivre ce qu'il disait en anglais. Ah ouais. Et du coup, j'ai foutu la VF et j'ai fait vas-y, parle pendant que je m'endors. Ah non, moi VO, VF, mon corps il s'en va les couilles. Là j'ai complètement. Je tiens ça de ma mère, je m'endors direct devant un truc. Hein. Alors par contre, vous êtes parti où là? Surtout si t'es un peu fatigué. Là pour l'instant, je fais que récupérer les... On récupère les matériaux d'abord. Dans la salle. Genre dans la première salle. Moi j'ai pas bougé. D'accord. Ouais, moi j'arrête de creuser alors. Je vous rejoins. Oui, ça sert à rien parce que si tu creuses alors qu'il y a des hordes, bah en fait ça fait spawner des ennemis derrière et après ça peut foutre le sbeul. Y'a pas mal de nitra là-haut là.
Ouais, je te fous un truc là, c'est bon. On va le faire. Ouais, attends. Ouais, ça le fait. Hop. Non, moi je peux pas dormir avec un truc dans les oreilles. Genre, j'ai horde qu'il y a un truc qui parle ou qui fasse du bruit. Oh, mais c'est... après, c'est pour ça, même les rediffs et les meufs, genre, je critique, c'est pas une critique, hein. Mais genre, Russien sur GTA, des fois, avec des sons genre bass boosté qui commencent à partir. Oui, bah, ça, tu dors pas sur ça, mais... Et c'est pareil, hein, lui, il va pas s'endormir sur un ordi de toi qui hurle. Mais, si tu creuses là, ça emmène où? Je vais voir. Au-dessus. Ah, faut un raccourci. Bonjour. Salut. Donc, si vous voyez un espèce de cocon rouge énorme, vous tirez pas dessus. Voilà. Attends, vas-y, mais on descend pas par là, B4. Bah attends, je regarde un peu ce que les autres font. Ouais, si on va passer par ouais, là. Ouais, mais Hoffman, toi t'as des problèmes aussi. Mais lui, il s'endort sur Warframe. Oui, mec, en jouant. En jouant, mec, il ça continue de jouer en dormant. Les seules fois où, comment dire, je me suis endormi, c'était en vocal avec sur Matrix, là. Ah, récemment, là, mais... récemment, en plus. Non, j'étais pas là, mais c'était Dread. Ah, voilà, donc putain, ça là, on tire pas dessus. Bah, on peut le dire, voilà, ça. Tout non, ensemble. Non, pas encore. Prépare tes tourelles. Yadar, tu peux mettre une zipline et après, tu peux te mettre dessus et appuyer sur E en permanence pour juste. Enfin, tu sais, tu te mets vers le milieu et t'appuies sur E et après, tu tires. Ouais, comme ça, je vais la mettre un peu plus haut et comme ça, je serai tranquille. Oui, non, mais c'était marrant, une man full flat, c'est pas ça le problème, c'est s'endormir. Tu t'endors pas devant, quoi. Je vais essayer ce soir pour voir. Espèce de fou furieux, voilà, c'est bon, moi je suis bon. Genre, une capsule de ravitaillement avant. Ouais. La prenez pas forcément tout de suite, ça sert à rien. Oui, non, ouais, quand on aura zéro, quoi. Ouais. Bon, allez, là. Et bah, Momo, oui. Toi qui as du C4, tu peux en placer directement sur l'œuf. Ouais. Et comme ça, quand on va exploser l'œuf et qu'il aura spawné, attention, il y a un petit temps entre les deux. Quand on va ouvrir l'œuf et qu'il aura spawné, tu pourras lui faire sauter la gueule. Comment? Je peux en poser tiens par contre, je crois. Ouais, et tu recules. Vas-y, je vais exploser le truc. Voilà. Vas-y, tu peux le faire sauter. Ouais, c'est bon. On lui brûle le yonf. Ah, il a récupéré son armure là. Ouais. Fais gaffe, il fait des très grosses attaques de zone. C'est bon, là, j'ai un Monster aussi... Hunter. Il peut aussi tirer des boules de feu. J'ai un res instantané au cas où c'est la merde. Les... La vache. C'est complètement craqué la tyrolienne, hein. Ouais. Ah merde. Et voilà. Voilà. T'es mort où? C'est bon, je l'ai rajouté. Et du coup, on a gagné quoi? GG. On en a pété un, il faut en claquer un il deuxième. Il en reste un autre. Il faut en tuer un deuxième. Ah, c'est le but de, là, c'est le but de la mission, littéralement. C'est pas un événement. C'est pas un événement, ok. Ouais, il reste juste 10 holobites et puis un boss. Oh, j'ai pris un peu de dégâts, il y a de la vie dans le coin, il y a de la vie dans le coin. Ouais, là. Ouais. Right, Shaka. On se barre par la droite, là, du coup? Du sucre ou... On peut passer par là. Non, il y a rien à droite, là. En hauteur, là, t'es sûr? Ah, pour le haut, je sais pas, mais Il y a de l'holo, Mike, c'est si, il y a un tunnel en haut. Et il y a de la nitrate, donc on peut toujours... Ah ok, par là-bas, ouais, j'ai pas vu. Tu peux mettre une petite plateforme, s'il te plaît? Ouais. C'est bien. Non, bah, il y a assez de trucs, là, on devrait avoir... J'ai 4 holo, Mike, c'est un peu chiant. J'en ai 2. J'en ai 10. Ah, mais y'en a là aussi. Ah, bah c'est bon, attends, on l'appelle le truc et on aura fini l'objectif secondaire. Ouais. Ouais, et après on aura plus qu'à trouver. Vous êtes pas perturbé d'entendre votre propre voix dans les rôtis, vous êtes habitué. Moi je peux pas. Moi je me suis de plus en plus habitué. Depuis que j'ai réussi à faire un son correct, tu vois. Ça va. Ma voix me casse les couilles en général. Je comprends que les gens, ça les goûte. Je crois qu'un jour, non ironiquement. Non, putain, ça, j'arrive jamais à me prononcer. Non, ironiquement, j'ai rigolé à ma propre blague. Genre, j'écoutais Mardif pour voir ouais, et il y avait une blague, je fais. Tu te fais bah, je suis marrant, ouais. J'ai soufflé du nez, j'ai arrêté. Ça va être mort. Ok, bah du coup, ouais, je tolère un peu plus ma voix, quoi.
Je fais ça depuis 2009, du coup je me suis habitué au fur et à mesure. Ouais, bah ouais, au bout d'un moment, tu vois. T'es obligé de t'habituer, sinon c'est trop chiant. Attendez. Attendez. Ouais, attends, moi je vais mettre une tyrolienne. J'ai juste posé mon C4. Ouais, ouais, attends, moi je vais faire la grosse pute. Tout le monde a récupéré des munitions depuis tout à l'heure ou pas encore? Ouais, non. Moi c'est tout. Ouais, mais j'en ai assez. Non, attends. Bah, je peux la supporter perso, mais ça me fait chier quoi. Genre, si tu veux, genre, si je dois écouter une rediff, j'écouterai pas une rediff où il y a que ma voix. Quoi. Attends, ah bah, je vais demander des munitions du coup, parce que personne en a demandé. Bah, on en a plus, on a pas assez de nitra. Ah merde, bah, c'est parti, let's go. Hein. J'ai quand même assez de balles de flingue. Ok, allez. Let's go. Vas-y, let's go. Yes. C'est bon. Il t'a bien au cul, allez-y. Aïe. Kite-le, fais, essaie pas forcément de faire de la merde. Il m'avait Connor Trap, dédié. Au début, je sais que la White Spider sur le canapé, elle me. Ah l'enculé, il m'a fait tomber. Je suis en feu. Il me berçait quand il paraît calmement, ce qui est rare. Oui, bah oui, du coup. Mais il m'endormait. Ibi. Mais il est où? Ah, mais non, c'est pas. Oh là, il est là. Il est où? C'est bon, il a mangé. Ah, il mange. Je le vois plus. C'est bon, il est mort. GG d'heureux. C'est quoi, je connais pas mal de gens qui ont un problème avec ça, du coup, votre avis m'intéresse. Non, mais oui, c'est. Ah, ouais, mais c'est un problème. C'est un problème normal. Parce que t'es pas. Ton cerveau, il a pas l'habitude de t'entendre parler. Bah, en fait, t'es la seule personne à entendre la voix telle que tu l'entends, en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça, des fois, tu sais, genre par exemple, t'es sûr et certain d'avoir, comment dire, le bon ton de voix pour un truc, tout ça, mais c'est que dans ta tête. Et ouais. Après, quand tu sors, tu fais, bah en fait, j'ai juste passé pour un gros con, quoi. Imagine les imitateurs, mec. Ah, mais. Du coup, c'est normal, tout le monde déteste sa propre voix au début, c'est comme un petit choc. Non, ça va, je te dis. Oui, non, mais oui, bah peut-être. Peut-être, monsieur, non. Je ne suis pas comme tout le monde. Mais non, mais si Momo tu te détestes, tu veux juste pas le dire. Non, je suis narcissique. Ah, mais il se branle sur son miroir, hein. Ah, bah. C'est pour ça que des fois j'ai envie de fermer ma gueule. Mais des fois, ça vous dit beaucoup de merde aussi, Joubi. Je crois que ça joue. Faut qu'on attende 4 minutes là. Non, faut attendre que la mule elle monte. Que la quoi? La mule elle monte. Ah oui, le petit robot. Les robots. Désolé. Les robots. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit stream vous a plu, hein, les potos. Ils sont pas terminés, monsieur. Bah si, c'est fini, là, on ouvre. Pas et encore, j'ai encore des améliorations à mettre. Quel monsieur. Connard, oui, mais... Voilà. Ah, mais du coup, par contre, ouais, si on revient sur le sujet de la voix, j'avais essayé d'enregistrer des vidéos, au moins des trucs, tu sais, des tests, et je pouvais pas blairer ma voix sur... En fait, j'ai l'impression d'être narcissique de ouf, et ça m'a cassé les couilles. Genre, j'ai pas l'impression d'être narcissique en le disant, mais une fois que ça sort, tu fais « Ah, yes, j'ai l'air d'un énorme enculé. » C'est bien d'être narcissique, mais pas trop, quoi. Merci, monsieur. Ah non, mais il y a un point de non-retour, quoi. Parce que quand t'es narcissique, ça veut dire que tu t'apprécies un petit peu, tu vois, genre... Que tu... Non, mais justement, j'avais l'impression d'être limite, tu sais, suffisant, tu sais. Non, mais quand tu l'es pas assez, c'est un problème, et quand tu l'es trop, c'est un problème aussi, quoi. Didi Proc plus souvent, ça serait cool si ça pas comme Just Stream 4. Bah ouais, c'est... Ouais, bah il y en aura encore, bon bah pas la semaine prochaine, hein, mais il y en aura encore, Inch'Allah, dans le futur, tu vois. Et du coup, là, moi, j'ai fini mon truc de conquérir Oxus 4. C'est cool, ça. Moi aussi. Moi, pas du tout. Ouais, c'était votre dernière mission à vous, c'était pour montrer le dernier type de mission qui existait. J'ai fait votre mission à vous. N'a pas eu un insomniaque qu'il fallait que je regarde des rediffs de Spider pas trop fort pour m'endormir, c'est ouf, il a une voix magique, merci Spider. Écoute, si tu veux, je te fais. T'es la berceuse de Jean-Jean, mec. Et ça m'étonne absolument pas. Pour 40 balles, je te fais une vidéo en ASMR rien que pour toi. Donc, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce stream. C'est la fin pour moi. Ça déconner qui a 40 balles. Toi aussi, t'es chaud pour entendre Spider faire de l'ASMR. Mec, t'as tellement de la chance que je suis au chômage. Mec, ouais, on serait riche, mec, il y a tellement d'argent qui serait parti dans des conneries.
Ça me ferait cringe de... Et t'as pas 100 balles pour ça? Bah si. Bah si, ouais, j'ai 100 balles. C'est trop tard maintenant, t'as mis, t'as dit 40 balles, c'est 40 balles. Ah, c'est sympa, merci beaucoup, merci beaucoup. Même si le Apex au début, c'était wild. C'était ghetto, ouais. Mais... C'était de la merde. Et est-ce, je que je... est-ce que je la pose quand même, le rediff? C'est une petite demi-heure. Non, mec, elle sert à rien. Non, elle sert à rien. Quel Apex? Ouais, on va dire ça, on a commencé à 20h sur Deep Rock. Mais en tout cas, c'était bien parce que ça m'a enfin permis de désinstaller cette saloperie d'Origin. Ah, mais moi j'ai eu le CD Space 3. Bah, de toute façon, j'ai pu lier quitter... avec ça. Moi aussi, j'ai désinstallé tout ce bordel parce que. Oh putain, ouais, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, donc c'est bon, c'est fini, on verra l'année prochaine. Ah, Noël prochain. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin. C'est toute beauté. Ah, bah, je suis conquis. Pour le prochain Fright Friday, on fera le DLC. Bon, allez, voilà. Allez, dites au revoir. Cuscus. Allez, des bisous. Bisous. Hop, il reste que moi. Du coup, moi, je fais des bisous. Merci, merci pour tous les subs, pour les dons, pour les follow, j'ai vu. Merci beaucoup, les gars. Du coup, je vais passer une petite musique comme d'hab et puis faire mon gouffe. Et puis, on se dit à demain. Je sais pas si, Ocean, t'es toujours là. Demain, tu stream avec Adwim, du coup? Je sais pas. Est-ce que c'est marqué sur planning? Je sais pas si c'est marqué sur planning. C'est marqué sur planning. Du coup, demain, il y aura un petit peu de RE5. Ah, je sais pas. En fait, c'est pas marqué sur planning. Vas-y. Attends, oh merde, j'ai pas du tout de VR. Hop, voilà. Bon, du coup, bah, merci de passer. Et puis, bah, cuscus, hein.